Merci d'être là, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat un petit peu plus tard avec Olivier Dauvert. Il y a une matinale, celle de votre radio préférée qui était à Saint-Omer, et nous avons donc décidé d'aider deux personnes qui, là-bas, ont été victimes d'inondations. Il y a Mathieu et il y a Carole. Ils attendent désespérément, pour l'un, que l'expert donne son rapport, pour l'autre, l'indemnisation. L'indemnisation qui ne correspond pas, évidemment, à ce qui a marqué sur le contrat. Sur le contrat, Charlotte, on leur dit, admettons, vous pouvez avoir 15 000 et c'est pas du tout le cas. Pour Mathieu, c'était 16 900 euros le plafond de son contrat et visiblement, l'expert finalement a chiffré les réparations à 10 900, soit donc quand même 6 000 euros de moins que ce qui était prévu à la base. La salle des appels a été lancée, les négociateurs ont été interpellés. Bernard Sabat et Hervé Pouchol, vous vous occupez de ces deux cas, vous avez lancé les appels? Absolument. Concernant notre ami Mathieu Collin, j'ai appelé donc la direction de la MAF. Deux objectifs, revoir l'indemnisation bien entendu, et puis surtout accélérer les délais. Et de votre côté Bernard? Pour Carole, donc, j'ai fait avancer le dossier avec la caisse d'épargne au niveau de l'assurance. J'ai eu Muriel, une des responsables, qui était dans les transports en commun, qui est arrivée au bureau et qui va réouvrir le dossier. C'est parfait, il y aura dans quelques instants les news de Ça peut vous arriver. Alors je vous présente quand même Michel, Philippe et Kacheniche. Alors, je vais vous dire comment ça s'appelle, et vous allez après vous dire, ah oui, finalement, le pauvre Courbet, on s'est moqué de lui. Parce que moi, je l'adore, Kacheniche, mais il faut quand même lui dire qu'elle ne me rend pas service. K-A-C-T-H-E-I-2-N-I-J-E, et ça se prononce... Kacheniche. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous trois, là, de ce débat? Vous avez déjà été confrontés aux inondations, c'est toujours un petit peu long, Michel? Non, pas encore, pas d'inondation. Eh bien, pendant que vous nous parlez, c'est le cas, figurez-vous chez vous. Donc, j'espère que vous avez écouté tous les conseils que nous avons donnés hors antenne. Vous, Philippe? Non. Non plus? Vous non plus, Kacheniche? Non, on a bien fait de faire ce débat, ça touche tout le monde, hein, sauf ceux qui sont avec nous. On rappelle que 20% de la population, mesdames et messieurs, peut être touchée par les inondations. Alors, juste un mot, Sylvain Baron, ce qui vous choque un peu, c'est en fait qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez d'experts pour venir tout de suite quand il y a des inondations. Mais il fut un temps où vous avez connu, il y avait des opérations éperviers pour trouver des experts. Qu'en est-il? Eh bien, effectivement. Eh bien, on n'est pas au bistrot non plus. Eh bien, il me dit. Effectivement, Julien, il y avait. Sylvain, je l'adore parce que vous pouvez zapper sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télé, vous ne trouverez jamais un expert de ce niveau-là qui dit eh bien, oui. Julien, effectivement. Ouais, fut un temps, mon cabinet était très sollicité, notamment pour venir en renfort. C'est plus le cas ? Non, parce qu'en fait, nous, on est devenus experts d'assurés. Ah. Et pour le coup, on est un peu en marche parce qu'on ne marche pas avec les assurances. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a besoin d'experts d'assurés. En revanche, il y a deux choses importantes dont on n'a pas abordé, qu'on n'a pas abordé tout à l'heure et qui pourraient être mises sur le site et en tout cas consultées par les auditeurs et les téléspectateurs. C'est les outils nécessaires en fait, pour estimer. Il y a un guide d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments vis-à-vis de l'inondation. Ça, c'est un document fait par l'État, c'est extraordinaire. Et le deuxième document que je conseille à lire pour tout le monde, c'est le guide de remise en état des bâtiments. Ah, voilà. C'est fait par le ministère de l'Écologie. C'est exceptionnel. J'étais en train de me refaire tous les os là, mais je vais arrêter, je vais lire ça plus tôt parce que ça a l'air beaucoup plus intéressant. C'est intéressant, Julien. Mais je sais que c'est intéressant, mais c'est surtout utile. Nous donnons des nouvelles et ensuite, attention, mesdames et messieurs, les news de Ça peut vous arriver, arnaque, injustice, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? Je vous propose de revenir sur le cas d'Eric, un cas qui concernait justement la MAF dont nous parlions il y a un instant. Vous avez travaillé pour la chaîne L'Équipe, vous, une époque, non? Tout à fait, avant de venir sur votre émission. Je sens votre tour. Nous allons revenir sur le cas d'Eric. Oh là là, Charlotte, que d'émotion, que se passe-t-il en direct? Moi, je n'ai pas travaillé pour L'Équipe, alors je ne saurais pas vous faire le commentaire de foot, mais ce que je peux vous dire, c'est que Eric avait signé pour des travaux. Les travaux avaient été réalisés, mais le problème, c'est que quelques mois après, il avait vu apparaître des infiltrations d'eau. L'artisan avait fermé la boîte ou en tout cas il ne pouvait plus intervenir, mais c'était évidemment à son assurance décennale de prendre le relais. Hervé Pouchol, vous étiez sur le coup, me semble-t-il, à l'époque. Eh bien, vous avez bien noté cette chose importante et j'ai contacté la direction de la MAF et j'aurai peut-être du nouveau d'ici quelques instants. Mais non, c'est maintenant qu'on en parle en fait. Alors, j'ai reçu un mail. C'est pas grave. Parce que sinon, ça devient un peu radio dans quelques instants et les gens, d'un moment, moi, j'en ai croisé un hier, il m'a dit, ça fait 24 ans que je vous écoute, M. Courbet. 24 ans, vous dites dans quelques instants, alors on aimerait bien savoir parce que je vais bientôt mourir. Alors allez-y.
Je vais vous résumer un mail reçu par la direction de la MAF. Sur ce dossier, notre assuré, l'artisan, est intervenu dans une maison. Il a mal protégé la maison, pas de bâchage adapté, et l'eau qui s'est infiltrée a causé des dégâts. Alors l'assuré, c'est URL sans CA, et le lésé, c'est Monsieur Lelanne. Alors, je peux juste dire un petit bonjour, bougez pas Hervé, bien restez sûr. En ligne. Est-ce qu'il est là, Monsieur Lelanne? Oui, oui, je suis là. On ne vous avait pas salué, Eric. Tout va bien? Vous êtes à Nevers, oui, on l'appelle dans le 29. Donc on continue la lecture de ce courrier qu'Hervé Pouchot a reçu. De fait, le rapport d'expertise confirme la responsabilité de notre assuré, chiffre les dégâts à 20 385 euros, ce qui correspond à la demande du lésé. En fin d'après-midi, une proposition d'indemnisation a été faite à Monsieur Lelanne, 20 385 euros. Il n'y a qu'une chose à dire, Hervé, efficace et moins cher. C'est la MAF que je préfère. C'était bien la MAF qui était avec nous, bravo. Bah, je pense que vous devez être un petit peu rassuré, Eric. Oui, très bien. Donc j'ai reçu le papier, je l'ai signé, je l'ai scanné, je l'ai renvoyé. Et je devrais recevoir, je pense, le règlement pour payer les artisans. Ça a été plutôt vite, faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Super. Bon, ouais. De rien. Voilà. À la cool, il est content. Non mais c'est bien, vous voyez, quand on tombe sur des assurances comme ça, qui réagissent vite, ça fait plaisir. Voilà. Et ils se font... tant mieux, c'est une belle opération de communication pour eux. Tout le monde est gagnant dans ces cas-là. Hein, mon Sylvain ? Dame oui. Mettez-lui une tourtelle, c'est pour moi. Mais franchement, il va être là tout au long de l'émission pour avancer. Pourquoi vous riez ? Il n'a pas le droit de boire une tourtelle, Blanche ? J'ai jamais vu, mais pourquoi pas ? Alors, tourtelle, vous ne connaissez pas, c'est de la bière sans alcool. Ah, oui. C'est pour ça que vous ne connaissez pas. Voilà. Ça existe également. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, il faut que vous le sachiez. Bon, très bien. Eric, je suis très très content pour vous. Nous allons continuer. On rappelle quand même qu'on espère faire apparaître, pour Philippe, son téléphone portable. Combien de temps vous l'attendez ? Depuis le 21 août. Ah oui, d'accord. Et en plus, c'était pour l'anniversaire de mon garçon. Voilà, il aura pour l'anniversaire suivant. L'année prochaine, peut-être. Et en plus, ça vous fera gagner un cadeau, celui de l'anniversaire d'avant. Il y a toujours des solutions. Allez, avançons, mais là, on a des bonnes nouvelles. Ça peut vous arriver à votre service. Regardez quand même, parce que c'est pas rien. Bon, on n'est pas là pour se faire mousser, mais on peut quand même dire que de temps en temps, on fait du bon boulot. Enfin, en tout cas, nos négociateurs, Hervé et Eric, j'aimerais qu'on revoie les photos chez vous. Rappelez-vous, tiens, Sylvain Baron, comme vous êtes là, regardez un peu le travail. Alors, il a été obligé de mettre du scotch, il a même mis des couvertures. Mais comment on peut en arriver là, Sylvain Baron ? Simplement en oubliant de faire les rives. A priori, c'est ce que j'avais dit. C'est quoi les rives ? Les rives, c'est les étanchéités sur les bords des toitures. C'est a priori ça qui était zone d'infiltration. Ça veut dire que celui qui fait ça, il ne sait pas qu'il faut faire des rives ? Vous êtes pile dessus, là. Vous voyez, le pourtour des cheminées, ça a été fait au mortier de ciment, alors que ça aurait dû être fait avec D'accord, c'est par là qu'arrive l'humidité. Ouais, exactement. Et là, il aurait fallu mettre quoi ? Il aurait fallu mettre ce qu'on appelle des rives métalliques et des noquets zinc. Et ça n'a pas du tout été fait. Et ça, c'est franchement. Mais c'est le BABA, ça. Ah oui, c'est le BABA, ouais, c'est le DTU qui explique comment faire. Et en fait, il n'y a rien du tout. Ça, c'est du bricolage, j'appelle ça. Embêtez, s'il vous plaît, l'intérieur de la maison. Parce que c'est quand même grave de se dire qu'il y a quelqu'un qui vient et qui se dit être artisan, qui a d'ailleurs assuré. D'ailleurs, les assureurs pourraient un jour demander eux-mêmes, on est dans la même galère qu'eux, pourraient dire à celui qui assure, on aimerait bien que tu aies un petit diplôme pour nous montrer que tu sais faire. Exactement. Et d'ailleurs, quand l'entreprise a une assurance, généralement, on se dit qu'il y a un minimum de sérieux. Et je rappelle, Julien, que cet entrepreneur, il a arrêté l'activité. Je ne sais pas si c'est liquidation judiciaire. Après avoir fait quelques carnages, regardez ça. Bon, en tout cas, c'est réglé. La MAF, maintenant, a payé. Et ça, c'est une super nouvelle. Bravo Hervé, bravo aux équipes. Et merci à lui de nous avoir fait confiance. Julien Courbet. RTL. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat, mais là, nous vous donnons des nouvelles avant Noël, avant d'attaquer plein de cas inédits, notamment les news de Ça peut vous arriver. Nous allons, Charlotte, revenir sur le cas de Bamouane Thibault, de Thibault, trois de Thibault Doudou. Il était entré en location dans un appartement tout neuf. Le problème, c'est que dès le départ, il a vu fissure, fuite d'eau et branchement non finalisé dans l'appartement et le gestionnaire immobilier ne faisait rien pour arranger la situation. Et je m'étais tourné vers vous, Bernard, pour avancer sur ce dossier. Je vous avais même dit, je me rappelle, Bernard, si tu es champion, appuie sur le champignon. L'avez-vous fait ? Oui, je l'ai fait. Et donc, le vendredi après-midi, j'ai parlé avec Pierre Trébosque, donc le directeur des missions de Immobilier Pichet, qui m'a dit, écoutez, ce monsieur-là est rentré le 17 novembre. On a fait un état des lieux, on n'avait rien remarqué ensemble. Le typhon ne fonctionnait pas. Heureusement qu'il ne fonctionnait pas. On est tous, on préfère. Typhon, vous savez. On attend le passage du typhon et juste après, on l'avait mise.
Donc le siphon ne fonctionnait pas, il a été réparé il y a 15 jours et il y avait un problème avec un interrupteur. Notre ami Thibault a un souci dans le cadre de son job, Julien. C'est qu'il n'est pas dispo entre 7h et 18h. Donc c'est difficile de trouver un électricien dans ce créneau-là. Le créneau avait été trouvé ce lundi. Notre électricien est arrivé en retard. Il est arrivé à 7h25 au lieu de 7h20. Thibault est obligé de partir pour le boulot. Donc j'ai recalé un rendez-vous le 2 janvier, alors, donc lundi prochain. Malheureusement, ça, c'est une chose. Et c'est intéressant d'ailleurs, mine de rien. Quand on arrive à comprendre ce que dit Bernard, il y a toujours un petit fond intéressant. Mais il faut quand même faire un effort aussi à un moment donné. C'est vrai que si on ne peut pas être là de 7h à 20h, on ne peut pas exiger que l'électricien s'adapte à mes horaires. Donc malheureusement, il faut aussi comprendre dans ces cas-là que l'agence ne peut rien faire. Il faut soit demander une demi-journée, soit se mettre en télétravail si c'est possible pour effectivement accueillir l'électricien. Thibault est avec nous, Céline ? Bah oui, j'ai fait mon boulot, je l'ai appelé. Je pense que c'était bien qu'on l'ait à l'antenne ce matin avec nous. Oui, enfin, je ne demande pas une justification à chaque fois que vous appelez. Je demandais juste s'il était là. Bien sûr que vous faites bien votre boulot. Thibault, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça avance bien? Oui, ça avance. Bon, pour le moment, l'intervention est replanifiée. Donc, parce que lui, il a des horaires. Vous aussi, vous avez des horaires pour votre boulot. Eux aussi, donc il faut arriver. C'est pas facile à concilier les deux. Mais là, ça y est, ils vont revenir. C'est calé. Le 2 janvier, 7h30. Donc, soyez là tous les deux. Hein. Bon, vous me tenez au courant. Oui, merci. Et merci au groupe Pichet, bien sûr. Voilà. Ouais, ils ont été formidables. Et M. Pierre Devosk, vraiment, il a été génial. Il a pris le dossier en main tout le vendredi après-midi. Et il m'a envoyé des textos et des mails pour suivre le dossier. Compte, le groupe Pichet, c'était, je les ai connus. Ils démarraient. Ils avaient une petite agence immobilière. Maintenant, le groupe pèse des milliards. C'est là où je m'aperçois que j'ai loupé l'embranchement. On avait le même âge. On a démarré sur la même route. Mais à un moment donné, il y en a un qui a continué sur l'autoroute. Et moi, j'ai pris un peu la départementale. Et maintenant, ils sont trop loin. Je ne les rattraperai plus. Vous en sortez pas trop mal. Oh, ça va. Oui, maintenant, il ne manque plus que l'amour et je serai un homme comblé, Charlotte. De quoi parle-t-on ? Nous allons revenir sur le dossier de Franck. Lui, il avait payé 5000 euros d'acompte pour la réalisation d'une terrasse. L'artisan n'était jamais venu, alors il l'avait fait condamner en justice à lui régler 6000 euros. Alors, qui s'était occupé de ce cas ? C'est vous, Bernard ? C'est moi. Qu'est-ce qui s'était passé ? Racontez-nous. Moi, j'avais parlé donc avec le gérant, Tunkay Turan, qui m'avait dit, écoutez, j'ai des problèmes financiers, soyez sympa, trouvons un échéancier. Donc, on était parti sur 500 euros. L'a-t-il fait ? Je n'en sais rien. Il y avait un petit extrait, hein, vérifions, attention. On va vérifier. Nous n'avançons pas ça sans preuve, écoutez. Là, je pense début de entre 10 et 15 décembre, il y aura quelque chose. Alors, entre 10 et 15 décembre, vous lui faites un virement de combien, monsieur, s'il vous plaît ? Il y aura entre 500 et 1000 euros, mais je ne sais pas combien. Bon, entre le 10 et 15, entre 500 et 1000, entre 2023 et 2024, entre l'été et l'hiver. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Franck, s'il vous plaît ? Je vous réponds, là. Oui. Oui, je suis à l'antenne. Excusez-moi. Vous m'entendez, tu ne connais pas ? Oui, je vous entends. En fait, j'ai toujours pas de nouvelles. Ah, mais il est là. Franck, il est là en ligne. C'est pour ça, c'est pas vous que parlait Bernard, en fait. Il est là. Tunkay, vous êtes là ? Oui, bonjour Tunkay, Julien Courbet en direct sur RTL, simultané M6. Tunkay, je suis toujours avec Franck, qui nous dit ne pas avoir de nouvelles, apparemment. Vous savez, on s'était parlé sur l'antenne. Oui. Il n'y a pas trop de nouvelles sur le petit échéancier là, que vous deviez lui faire ? Oui, celle-là, cette semaine, ce sera. Ce sera parti cette semaine. Ah, parce que la dernière fois, rappelez-vous ce que vous avez dit. Non, je sais, comme je vous ai dit avant le 15. Non, cette semaine, ce sera fait ça. Promis, hein, monsieur. Je n'ai pas envie de vous appeler. Promis. Alors, Blanche Grandville, avocat. Vous aviez déjà promis des délais à l'huissier. J'avais pris de retard. Que vous n'avez cette pas semaine, respecté, monsieur. Alors, il a dit cette semaine, donc ce vendredi... Ouais, cette semaine, ce sera fait. Voilà, hein, donc plus tard, vendredi, vous aurez. Allez, ça marche. Okay. On fait confiance. Merci. À Tunkay Turan. Ah ouais. Donc, vendredi, Franck, bon, la façon dont il dit, je mettrai pas ma main au feu quand même que ça soit le cas. On va bien voir, mais si vendredi, ce n'est pas le cas, eh bien, on appellera l'année prochaine, on ouvrira 2024 avec l'entreprise de monsieur Tunkay Turan. Comment s'appelle l'entreprise d'ailleurs ? Gumas, voilà, la SAS Gumas, qui est à Cannes. Tunkay Turan nous a promis, après avoir promis plusieurs fois à l'huissier qu'il allait payer, que ça sera fait vendredi. Écoutez, c'est Noël, Franck, on attend vendredi ? Mais on va attendre vendredi, j'ai pas le choix maintenant. Et puis on relance l'affaire, comptez sur nous si c'est le cas, parce qu'il n'y a rien de pire que les fausses promesses. N'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver à @m6.fr si vous-même vous êtes dans des situations similaires à celles que nous évoquons. Ça peut vous arriver.
Michel, tout à l'heure, nous allons parler de vous. Je voudrais que l'on voit un petit peu, puisque nous avons l'ingénieur qui s'est déplacé spécialement pour vous. J'espère que vous appréciez, que nous voyons quelques photos. Et puis, un petit peu plus tard, on va régler le problème. Donc, c'est des carreaux de terrasse qui se décollent. S'il vous plaît, monsieur l'ingénieur, regardez. Voilà, il faisait beau, hein, visiblement, quand vous avez pris la photo. Hein. Un beau ciel bleu, comme on les aime. C'est dans quelle région, ça ? La Haute-Savoie. Ah, la Haute-Savoie, oui. C'est le temps qui fait exceptionnel qu'il fasse comme ça. Oui, bien sûr. Alors, ces carreaux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? On voit quand même qu'il y a quelques petits soucis. Oui, quelques petits soucis, ouais, effectivement. Ah. On a un décollement des carreaux lié en fait à une mauvaise accroche de la colle. Mais je pense même qu'il a dû faire poser sur les carreaux existants. Non. Il est allé au fond. Tout, il avait fait une étanchéité. Ah, mais non, c'est n'importe quoi. Alors, comment on en revient à la même. Tout à l'heure, on a vu l'isolation là, avec la cheminée. Vous avez dit, mais c'est du bricolage. Mais là, comment c'est peut-être carreleur et peut-on faire ça? Je peux vous montrer quelque chose sur l'image? Alors, très rapidement, allez-y. Oui. Dis donc, il est sportif. Alors, vous n'avez plus de micro, mais ça fait rien. Attendez, je vais vous en donner un. Allez, envoie-moi le micro, mais tenez. Merci. Je viens, vous voyez, le carrelage ici, oui. Il vient s'appuyer sur le seuil de cette fenêtre. Et c'est pas comme ça qu'on doit être. On doit être en dessous. On doit créer ce qu'on appelle un rojingot pour évacuer l'eau. Donc là, on a des zones de rétention d'eau. À partir de là, l'eau passe sous le carrelage et finit avec le temps par se décoller, tout simplement. Bon, ça, il faudra l'expliquer au monsieur. Hein. Bah, c'est du n'importe quoi, ça. Bon. On dirait Nikos dans The Voice, dis donc, comme ça. Mais vraiment, là, il a. Ça s'est décollé 3 semaines après la pause. Mais c'est normal, parce qu'en fait, vous avez des zones. Les gars, je vais vous expliquer. Je suis en train de faire une émission télé, donc que vous fassiez de votre petite émission, ça me dérange pas. Mais là, c'était juste pour expliquer aux gens. Puis on va en parler dans quelques instants. Tenez, allez vous asseoir. On va vous servir une petite suze avec modération et on va continuer. Merci. En tout cas, mais là, au moins, on sait de quoi on va parler. Ça va être intéressant. Allez, nous vous donnons des nouvelles. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat, ça peut vous arriver tous les matins. Et nous donnons des nouvelles, je crois, Charlotte, de Valérie, c'est ça ? Effectivement, puisqu'elle avait déménagé son fils. Le problème, c'est que le camion qu'elle avait loué pour ça avait disparu du jour au lendemain. Et puis finalement, elle s'était rendue compte qu'il avait été mis dans un garage parce qu'il avait commencé à prendre feu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on lui demande de payer le gardiennage. Valérie, vous êtes entourée d'animaux. Qu'est-ce qui se passe à côté de vous ? Oui. Oui, il y a du monde à côté de vous ? Oui, bonjour, il y a du monde à côté de vous. Oui, bonjour Julien. Oui, comme je suis en maternelle, j'ai mes petits loulous qui sont avec moi. D'accord, écoutez, alors, ne le prenez pas mal, mais de loin, j'avais l'impression qu'il y avait une chèvre. Mais vraiment, c'est en fait un enfant, mais avec le téléphone. Alors Valérie, tout va bien, les petits vont bien ? Qui est avec vous aujourd'hui ? Très bien. S'appelle comment ? Alors, j'ai un petit qui s'appelle Cali, une autre petite fille qui s'appelle Iline, et j'ai un petit bébé qui fait dodo, qui s'appelle Jonathan. Voilà, là, on garde 3, c'est pas le plus beau métier du monde, ça. Alors, que s'était-il passé, Bernard, dans ce dossier ? Écoutez, donc on s'était tourné vers l'assurance Rent-a-Car, et donc il fallait trouver une solution pour comprendre pourquoi on ne remboursait pas Valérie. Et j'ai reçu donc un mail, Julien, que je vais vous lire très rapidement. Dans le cadre de l'allocation de Madame Andrea Mifidi, donc Valérie, nous avons reçu le rapport d'expertise il y a seulement 48 heures, dont les conclusions établissent que l'origine du départ de l'incendie est extérieure au véhicule. Ça veut dire que la responsabilité de notre amie Valérie n'est pas engagée. Au vu de ces éléments, nous allons donc rembourser le montant global de 1 260 €. Prélevé à Madame Valérie Adria Mifidi. Il conviendra juste à Valérie de faire une déclaration auprès de la. Un recours qui est important auprès de l'assurance et surtout auprès de la police, parce que c'est important, c'est comme ça que nos amis de Rent-a-Car vont pouvoir faire jouer leur propre assurance. Vous êtes contente, Valérie ? Ah oui, très contente. Franchement, c'était très très bonne nouvelle pour cette fin d'année. Voilà. Je suis ravie. Je vous remercie, vous et toute votre équipe. Et ça a un gros soulagement pour moi. Pour nous aussi, pour tout le monde. Et bravo, en tout cas, à cette entreprise qui, quand on l'appelle, règle tout de suite le problème. Peut-être une petite règle d'or maintenant. Attention, bien lire les contrats. On en a parlé tout à l'heure, on parlait un petit peu d'assurance, mais quand on loue une voiture également, ça, c'est, vous voyez, c'est le genre de choses que je ne pose pas, moi, comme question. Est-ce que quand je vais la garer devant chez moi, si j'ai un souci, c'est moi ou c'est vous ? Règle d'or ! La règle d'or. Blanche de Grandvilliers, avocate au barreau de Paris. Alors, en l'occurrence, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour imaginer ce qui s'est passé, puisque visiblement on pense qu'il y a une tentative de vol et finalement il y a eu un incendie sur cette roue. Donc Valérie s'était fait prélever 1 200 € et en fait elle a obtenu le remboursement parce que c'est évidemment, Bernard l'a rappelé, un événement de force majeure, c'est extérieur à Valérie, elle n'y était pour rien, elle n'était pas responsable, elle méritait ce remboursement. Bon, bien écoutez, elle est contente en tout cas, tout ceci a été réglé, bravo Bernard, merci à vous et bravo à cette société, bonne journée, oui. Joyeux Noël.
Merci, Rentecar et Géraldine et Ismaël qui sont occupés de ce dossier. C'était en fait un peu à la dame que je souhaitais un joyeux Noël, mais je vais vous le souhaiter à vous aussi, Bernard. Ces gens-là qui avaient fait le chèque, moi je ne savais pas, patron. On va se reparler quand même un peu avant Noël, on n'est pas des sauvages. Oui, c'est vrai. Elle, j'ai peu de chance de la revoir. Allez. It's the most wonderful. Nous allons continuer nos différents cas. Il y aura notamment les news de Ça peut vous arriver, toutes ces arnaques. Alors, il y a bien sûr vos courriers, vos appels, vos emails, mais il y en a plein qui se passent partout en France. On les détecte, mais on les raconte dans un seul but, vous donner une règle d'or derrière, et vous verrez qu'on a du lourd. Hein. Fausse antiquité, expert véreux, on va se demander si un musée a pu se faire avoir. Nous aurons une grande surface victime d'une usurpation sur Facebook, et puis celui qui prenait aux personnes âgées des bijoux que finalement il ne payait pas. Et puis arrivera le temps de parler du cas de Katjenijay. D'accord ? C'est de quelle origine, Katjenijay ? Il s'est guinéen. Pardon ? La Guinée. La Guinée, très bien. Vous avez encore de la famille en Guinée ? Oui. Bon, qui c'est qui est là-bas alors encore ? Des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Et vous y retournez de temps en temps ? Je compte y aller l'année prochaine. Et alors moi, vous voyez, on connaît beaucoup de pays comme ça en Afrique et on ne pense pas à la Guinée, c'est magnifique la Guinée ? Ça, oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir là-bas en Guinée ? Tout. C'est vrai ? La nourriture, la culture, tout. Vous avez déjà été là-bas, Bernard, vous, en tant qu'agent de voyage ? Sincèrement, non, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Gabon, mais j'ai eu jamais... Mais sortez un peu des sentiers battus, oh là là, toujours le classique. Bon, Katjenijay G, elle a payé 13 000 euros et impossible pour elle, et ça c'est... Je ne sais plus comment vous le dire, peut-être je vais essayer dans une autre langue. Pas de carte grise, pas de chèque, parce qu'aujourd'hui, vous, depuis combien de temps vous l'attendez ? Un an. Un an qu'il ne vous la donne pas, c'est qu'il y a, un petit loup là-dessus, vous avez enquêté ? Oui, le pire c'est qu'elle a fait confiance à une grosse concession, donc pour une fois... Ah oui. C'est très rare, il faut le reconnaître, mais pour une fois, c'est une concession qui a mal fait son travail. Voilà, le courbet répète à longueur de journée, acheter dans une grande concession où il y a un énorme Peugeot, un énorme Renault, un énorme Fiat, un énorme Hyundai, un énorme Toyota, vous n'aurez pas de problème. Et bien là, apparemment, il y en a un. Voyons s'ils vont savoir régler le problème immédiatement, parce que là, ça deviendrait gravissime. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de différence entre ces grandes concessions et c'est entre guillemets, même s'ils sont peu nombreux, margoulins qui vendent des voitures en appartement. Oh, mais je suis sûr qu'ils vont régler le cas. La petite particularité, c'est que c'était pas un achat, c'est une LOA, c'est-à-dire une location longue durée avec option d'achat. LOA. LOA. Bon, LOA. Très bien. Et puis Sylvain Baron, on parlera des carreaux de Michel. Alors là, vous allez voir, là, c'est l'artisan qui va nous parler, hein, l'ingénieur. C'est du grand n'importe quoi, on est d'accord. Bon, allez, on reste tous ensemble, mesdames et messieurs. On se prépare pour les news de Ça peut vous arriver, Stan ? Se prépare pour les news avec notamment une alerte arnaque dans un super rue par notre Olivier Dauvert national. C'est fou ça, vous rendez compte qu'une grande surface elle-même arrive à se faire arnaquer. La petite Coulonge est en forme ? Oui, elle va bien. Et vous, il est content, il est très très content d'être là parce qu'il va y avoir plein d'infos et oui. On va apprendre plein de choses. Et on va donc se coucher moins bête. Et inutile de vous dire que pour 90% de l'équipe, c'était quand même assez facile au départ comme oui, challenge. Ça c'est pour nous, Hervé. Allez, à tout de suite, mesdames et messieurs. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Merci d'être avec nous, de passer cette matinée en notre compagnie. Il y a Michel, il y a Philippe, il y a Katjenijay qui seront là pour nous parler de leurs problèmes. Nous allons appeler pour faire avancer les dossiers. Nous avons également, comme il y avait ce matin, une spéciale Saint-Omer sur la radio RTL. Nous avons deux auditeurs qui attendent de nos nouvelles parce qu'ils veulent être indemnisés. Ils ont été frappés là-bas à Saint-Omer par les inondations. Je ferai un petit point là-dessus. Mais là, mesdames et messieurs, pour en savoir toujours plus... Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Les news, évidemment, de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Olivier Dauvert, responsable pouvoir d'achat, est avec nous. C'est lui qui connaît tout sur la grande distribution. Olivier, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Un article de Franck Hermel, publié dans Les Sables Vendée, c'est un journal là-bas, nous parle d'une grande surface victime d'une usurpation sur Facebook. Expliquez-nous. Alors c'est le Super U des achats, c'est en Vendée effectivement, qui a alerté ses fans sur sa page Facebook il y a quelques jours en disant qu'une personne tentait d'usurper son identité en se faisant passer pour eux évidemment, donc ne cliquez pas. Donc ça veut dire que les grandes enseignes sont aussi victimes de ça. Alors on le voyait jusqu'à présent avec des mails que vous receviez peut-être parfois pour vous proposer d'acheter des bons d'achat, Leclerc, Lidl, Super U, à des prix évidemment cassés, et c'était une arnaque. Là, on voit désormais que même sur Facebook, en gros, vous avez de l'usurpation d'identité. Le but, c'est à chaque fois le même, évidemment, c'est en se faisant passer pour quelqu'un qui a naturellement votre confiance, parce qu'en règle générale,
son supermarché ou ses enseignes, on leur fait confiance, eh bien d'aller récupérer vos données personnelles et accessoirement vider votre compte en banque, voilà. Parce que la finalité, c'est évidemment toujours la même. C'est donc, ce que j'allais vous dire, à qui profite le crime ? Donc le but, c'est après siphonner vos comptes en banque d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, c'est ce que nous dit Damien Bancal, qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, Blanche Grandvilliers, c'est rentrer dans vos comptes. Alors tous les moyens sont bons pour avoir une petite info. Et là, nouveauté, c'est maintenant les grandes surfaces. C'est récupérer les informations personnelles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le délit d'usurpation d'identité est puni seulement d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Peut-être faudrait-il augmenter les peines pour que cela cesse, ou en tout cas prendre des mesures pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas avoir, Julien. Bon, Olivier Dauvert, merci beaucoup. Autre chose à rajouter là-dessus ? Oui, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en s'attaquant aux grandes surfaces, en réalité, ils s'attaquent en quelqu'un à qui on a généralement confiance. Parce que l'usurpation d'identité, ça fonctionne que si quelqu'un de confiance vous demande des informations. Vous allez vous dire, bah oui, c'est mon super-U, surtout en Vendée aux achats où pour le coup l'enseigne a une notoriété de dingue, c'est la première enseigne dans ce département, on va lui faire confiance. Ben donc vous voyez, même dans des distributeurs, aujourd'hui, il faut faire attention. Et puis d'une manière générale, un distributeur ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires sur une page Facebook ou sur un mail. Jamais, voilà. Jamais. Ils font des affaires avec vous, mais quand ils sont dans le magasin ou sur leur propre site internet, pas ailleurs. Sachez que maintenant, ils arrivent à avoir le numéro de votre banque. Ils arrivent à avoir, ils se font passer pour votre grande surface. Donc ne faites plus confiance à personne. Vous êtes dans quelle grande surface là, Olivier ? Je suis à Lyon devant le Auchan Saint-Priest. Dès qu'on a raccroché, je fais le tour du magasin, je les préviens. Bon, je viens d'entendre l'annonce à l'instant. Oh là là, ménagère, vous savez pas qui est là aujourd'hui pour visiter le magasin. J'ai même pas eu le temps de me repomponner. Il y a Olivier Dauvert. Et là, elles courent toutes avec les caddies. Vous les rendez folles, Olivier. Bonne journée là-bas et peut-être à tout à l'heure. On en aura besoin une nouvelle fois de vos lumières. Bonne journée. Je dis de vos lumières car vous êtes à Lyon où il y a, on le rappelle, la fête des lumières. Ah, je fais bien d'arriver toujours 3 minutes à l'avance pour préparer les émissions. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Charlotte sourit. Charlotte est heureuse. Charlotte est heureuse parce qu'elle va vous parler de quoi maintenant ? On va parler d'une affaire qui a été relatée dans le Dauphiné Libéré par Stéphane Blaisy, merci à lui. Il nous raconte qu'un homme a été jugé début décembre dans le cadre d'une arnaque puisqu'il prenait aux personnes âgées des bijoux qu'il ne payait pas. En fait, cet homme de 65 ans a été condamné à 8 mois de prison ferme qu'il fera sous surveillance avec un bracelet électronique à cause de sa santé fragile. Ce qu'il faisait, c'est qu'il avait ciblé 3 personnes âgées qui voulaient vendre des meubles sur le Bon Coin. Il les avait contactées, il les avait incitées à ajouter à leur lot des bijoux très onéreux. Et puis, il leur payait un acompte. Ça pouvait être 100 euros, parfois 500 euros. Il récupérait les bijoux et finalement, il ne réglait jamais la totalité de la somme qui était prévue au départ. Et il vient d'être condamné pour ces faits. Eh bien, voilà. Quelque chose à rajouter, Blanche, rapidement ? Eh bien, souvent, malheureusement, ce sont des personnes qui veulent compléter leur retraite. Si vous voulez, les personnes âgées, elles ne peuvent pas finir les fins de mois et donc elles sont obligées de vendre les bijoux. Donc, ça accroît encore le préjudice et heureusement il a pu être sanctionné par l'abus de faiblesse. Merci au Dauphiné Libéré. Dans quelques instants, pas tout de suite, mais Bernard et Hervé, je vous demanderai des nouvelles sur les deux cas assurance de Saint-Omer, puisqu'on avait tout à l'heure deux personnes. L'une voudrait maintenant vraiment qu'il se passe quelque chose pour son indemnisation suite aux inondations de novembre et la deuxième n'est pas tout à fait d'accord avec l'évaluation faite par l'expert, car c'est bien en dessous de ce qui est indiqué dans son contrat. Donc soyez attentifs à tout ceci et on redonnera quelques conseils. On continue, mesdames et messieurs, les news de Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. RTL M6 au cœur de l'actualité. C'est incroyable. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Alors là, Charlotte, fausse antiquité, expert véreux, le Palais des Beaux-Arts de Lille, s'est-il fait arnaquer ? Exactement, c'est une antiquité égyptienne qui était exposée au Palais des Beaux-Arts de Lille qui vient d'être saisie par la police car il soupçonne que ce soit un faux. Cette antiquité avait été acquise par le Palais des Beaux-Arts en 2011 au prix de 80 000 euros et à l'époque elle avait été expertisée par un expert très reconnu dans le monde de l'art mais qui a été mise en examen en 2020 car
car il serait impliqué dans un trafic d'antiquités. Et aujourd'hui, toutes les expertises qu'il a faites depuis sont remises en cause. Donc, cette antiquité égyptienne qui s'appelle... Donc, ils vont devoir remonter à toutes ces expertises pour savoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être dans des musées regarder des toiles qui ne sont pas des vraies. Mais enfin, ça remet tout en cause, que c'est le rêve qui s'écroule. Ça remet tout en cause, d'ailleurs, parce que et l'acheteur et le vendeur peuvent faire une action. Alors, Charlotte... C'est une œuvre qui s'appelle le portrait de Fayoum, qui date du 2e siècle, en tout cas, qui est censée dater du 2e siècle. Et effectivement, donc, elle va devoir être à nouveau expertisée par un laboratoire pour voir si elle est véritablement authentique ou pas. Nous avons la chance d'avoir au téléphone un expert en objets d'art au cabinet Griffe, c'est Amaury Griffe de Malval. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. On tombe un petit peu des nues parce qu'on se dit, bon là, vous êtes quand même tous des experts reconnus sur la place. Comment peut-on passer au travers? Comment ces choses-là peuvent-elles arriver? Alors effectivement, comme vous l'avez signalé, l'expert qui était intervenu dans cette vente en 2011 pour ce portrait était quelqu'un de très établi sur le marché, très reconnu. Il travaillait avec beaucoup de maisons de vente. Et tout le monde est un peu tombé des nues quand l'histoire est sortie, qui sera effectivement une très vaste histoire au niveau international, avec beaucoup de contestations sur les provenances des objets notamment, peut-être des faux. Alors ce sera le cas éventuellement du musée de Lille. Donc les portraits du Fayoum, c'est des portraits que l'on mettait dans les tombes des défunts à l'époque romaine en Égypte. Des informations dont on dispose pour l'instant qui sont pas très nombreuses. Il est question que le portrait soit un faux, mais alors il faut voir si soit le portrait est un faux complet, fait pour tromper, soit il a un fond authentique du 2e siècle et il a été très largement embelli. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors l'expert en vente est censé le signaler, il est censé dire qu'il est en partie d'époque, qu'il est très restauré, qu'il y a des ajouts. Effectivement, des images que j'ai vues, il est possible qu'il y ait des ajouts pour embellir le portrait et en faire quelque chose de plus et en faire quelque chose de meilleur. Bon, après le musée, vous l'avez signalé aussi, le musée aura des recours. Les acheteurs et les vendeurs en salle des ventes publiques en France sont quand même assez bien protégés par la loi, donc il y aura des recours. Après, et après, est-ce que elles partent où les originaux partent où finalement après? Les originaux, les œuvres originales. Ouais. Alors il en existe. Maintenant, elles sont diffusées dans le monde entier, dans les musées, chez les collectionneurs. C'est les affaires de faux, il y en a régulièrement. Elles sont quand même assez bien traitées en France. Donc il y a beaucoup, dans l'archéologie, il y a beaucoup de choses tout à fait authentiques. Le gros problème aujourd'hui, c'est les provenances. C'est une qualité substantielle maintenant dans les ventes, c'est la provenance. D'où vient l'objet? Il faudrait presque une double expertise. C'est-à-dire que ne pas faire confiance au premier, en avoir une deuxième. Mais ça, c'est un petit peu compliqué, je suppose. Oui, alors les musées ont une certaine expertise quand même, de toute façon. Bon. Mais c'est vrai que pour cet expert, pour cette salle des ventes, à l'époque, tout le monde leur faisait une grande confiance. Tout le monde entretenait des relations normales. C'était quelqu'un de très accessible et qui répondait rapidement. C'est le principe de la notoriété. Voilà. Bon, eh bien écoutez, Amaury Griffe de Malval, merci beaucoup. Alors je rappelle que vous n'avez rien à voir dans cette histoire et vous nous avez éclairé pour que l'on comprenne un petit peu mieux. Merci beaucoup, Monsieur Griffe de Malval. Merci. Merci. C'est vrai que c'est le principe d'ailleurs de cette émission, c'est la confiance. L'arnaque, l'escroquerie vient toujours de la confiance. Donc quand vous avez pignon sur rue... Non mais Sylvain Baron, au bout de... dans quelques années, vous êtes ingénieur. Effectivement, non mais c'est vrai, vous pourriez arnaquer quelqu'un, on se dirait mais non, c'est pas possible. C'est l'ingénieur de la télé, etc. Et tout est basé là-dessus. Tout à fait. Vous en avez arnaqué combien, par exemple, à ce jour? Un maximum. Bon, ben voilà, parce qu'on lui fait confiance. Et attendez, ne riez pas, vous êtes les trois prochains sur la liste. Parce que là, je vois Kachinidze, Philippe et Michel qui rient à tout ça. Oui, tiens, Blanche Grandvilliers, bonjour. C'est pour ça que dans le Code civil, il y a eu une réforme en 2016. Si vous voulez qu'on marque une pub et vous avalez votre salaire. Non, moi je m'adapte. Il y a une réforme en 2016 sur le devoir d'information et justement, on a rappelé que les sanctions étaient aggravées quand la personne pouvait avoir confiance dans celle qui ne respectait pas sa parole. Bah, c'est dommage que vous n'ayez pas rencontré le monsieur qu'on avait, ça aurait fait un beau mariage. Blanche de Grandvilliers. Acceptez-vous de prendre pour épouse Amaury Griffe de Malval? C'est très joli comme nom, c'est vrai. Nous, on aurait été avec Charlotte au fond de la salle, avec les gueux, ceux qui s'appellent Méritant, Courbet, encore Baron, vous êtes entre les deux, ça va, ça sauve un peu. Vous n'êtes pas un noble? Non, pas un noble, mais j'habite un quartier noble en tout cas. Ah, vous habitez un quartier noble? Le baron de Coëtelerran. Ah, parfait. On vous appelle le baron là-bas dans le village? Non, d'accord. Allez, on continue, mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Je rappelle qu'il y aura quand même, à un moment ou à un autre, quelque chose d'intéressant dans cette émission, notamment les cas de Michel. Vous allez voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, comme si les carreaux,
comme si c'était un miracle, se soulever pour partir au ciel, on est bien d'accord. Philippe, lui, le téléphone commandé, alors c'était pour l'anniversaire de son fils, c'est ça? Oui. Du coup, c'est plus pour l'anniversaire de son fils, ça pourrait être pour Noël, mais tel que c'est parti, ça sera pour l'anniversaire de l'année d'après. C'est une catastrophe, et Kachenidje, elle, la pauvre, elle paie une voiture. Mais alors attention, il est super intéressant son cas, parce que c'est une grande concession. Et là, j'ai toujours dit, les grandes concessions, normalement, doivent régler le problème. C'est pour ça qu'il faut aller chez eux. S'ils ne le font pas, c'est fini pour moi. Je suis mort. C'est terminé. Donc, j'espère que ça va s'arranger et ça va se passer, bien évidemment, avec vous dans « Ça peut vous arriver ». Ça peut vous arriver. Hier, on a eu un cas hallucinant. C'était un cas de voisinage, hein, d'ailleurs, Hervé Pouchol. Hein. Si vous avez des cas de voisinage, Hervé peut tenter des négociations pour vous dans l'émission. Donc, n'hésitez pas tout de suite. Vous avez un vrai problème de voisinage, de particulier, un professionnel en particulier. Peu importe, ça peut vous arriver, @m6.fr. Mais hier, l'histoire qu'on a racontée, on a alerté tout le monde parce qu'on a peur que ça tourne mal. Charlotte nous résume. Aurélie et son mari Bruno sont gérants du bar tabac La Roseraie à Évreux et ils sous-louent un logement qui est attenant au bar tabac à une famille qui était un petit peu en détresse et à qui ils ont eu la bonté de louer cet appartement. Le problème, sans prendre toutes les précautions d'usage, parce qu'ils ont été gentils. C'était des clients du bar tabac qui leur avaient expliqué qu'ils étaient dans une situation délicate. Le problème, c'est que très vite la situation a dégénéré puisque ces personnes-là ont cessé de payer le loyer, mais aussi ils sont devenus assez violents verbalement et physiquement avec le couple au point qu'ils se sont fait frapper. Aurélie et Bruno se seraient fait frapper. Évidemment, alors, mais le conditionnel, par ces personnes-là, on avait quand même eu une vidéo qui... Sur le fait que ça frappe, il n'y a pas de conditionnel, c'est sur les origines. Donc la dame du bar tabac nous dit, je pars boire le café chez des voisins, et comme au-dessus de mon bar tabac, il y a les locataires, je leur demande toujours de fermer le portail, parce que sinon, nous, on se fait braquer les tickets de l'auto. Or là, je vois le portail ouvert, donc je dis au fils de la voisine du dessus, tu devrais le fermer, compagnie, le ton monte, il appelle sa mère, elle voit la mère arriver, heureusement, elle a le réflexe de filmer, et regardez, c'est assez violent, hein. Elle en colle deux, la gérante du bar tabac. Alors après, on voit plus rien. Ça, c'est les enfants de la personne du bar tabac qui hurlent en disant arrêtez, arrêtez. Le père, lui, je crois qu'il en a pris une de son côté. Par le mari. Voilà, où nous en sommes. On va couper les images. Bon, alors hier, nous avons tenté de savoir ce qui se passait et nous avons réussi à voir la dame qui est en jogging rose, vous l'avez vu sur les images, qui elle nous dit... je veux que la vérité éclate. J'ai sorti des chaînes d'information, enfin sur YouTube, etc., où on a été. D'ailleurs, on n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Oui, effectivement, il y a une chaîne YouTube et une chaîne, un compte TikTok sur lequel elle a publié quelques vidéos dans lesquelles elle donne sa version des faits. Elle fait témoigner son fils. Elle fait témoigner un ancien client avec qui il y avait une petite bisbille entre Aurélie. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que maintenant, parce que Hervé, vous aviez téléphoné, parce que la dame nous disait non, mais je paie les loyers. Puis en insistant un peu, cette dame a reconnu qu'elle les payait pas depuis quelques mois, Hervé. Absolument, elle a payé le mois de septembre, il reste le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais elle m'a dit, mais de toute façon, pendant les fêtes, on va en profiter pour déménager. Bon, alors, on va voir où ça en est. Comment se sont passées les choses, Aurélie? Vous êtes la personne qui tient ce tabac à Évreux, ce bar. Comment ça s'est passé depuis hier, s'il vous plaît, Aurélie? Bonjour Julien, merci de nous recevoir à nouveau sur votre antenne. Bah, écoutez, depuis hier, les choses n'ont pas réellement évolué. Nous avons toujours nos locataires qui ont les mêmes usages qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus depuis hier? Depuis hier, ils continuent à emprunter l'entrée commerciale et ne toujours pas emprunter leur entrée qui leur est dédiée, par exemple. Et puis, ils continuent à vivre tranquillement leur petite vie. Bon, alors on rappelle que Maître Novakovic a tenté de joindre la police d'Évreux. Il faudra quand même qu'on essaie de savoir si elle a pu les avoir. Pour dire à nos amis de la police, intervenez d'une manière ou d'une autre, parce que quand on voit ça, ça va mal finir et on ne pourra pas dire, on n'est pas au courant. Cette dame est venue sur ce plateau lancer un appel au secours en disant il faut que ça s'arrête, il faut que maintenant on soit séparés et ça va mal terminer. Et encore une fois, on ne pourra pas dire... Ça va, on n'était pas au courant. Les images sont là, Julien. Ce qui est exact, c'est que effectivement, quand il y a des violences verbales et physiques comme celle-là, eh bien, on peut obtenir le fait d'obtenir l'expulsion beaucoup plus rapidement que s'il faut attendre la justice pour un défaut de paiement. Donc, vous savez que en ça plus prend de ça, ça très fait, longtemps. Vous savez ce que ça fait? Voilà, il y a des clients qui un jour vont s'en mêler parce qu'ils ont quand même des fans là-bas. Ils ont plein de clients qui les soutiennent. Donc un jour, ça va tomber à la guérilla cette histoire et on ne veut pas ça. Donc cette dame, en tout cas, elle a promis de partir pour
Noël. Donc Hervé Pouchol, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau, mais ce n'est pas non plus les vacances. Ils sont peut-être en train de chercher. Ça serait peut-être bien peut-être de leur donner un petit coup de fil pour savoir ce qu'il en est. Bah écoutez, je vais les rappeler. Pour l'instant, elles ne me rappellent pas. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle. Parce que parfois, quand l'agresseur présumé déménage, la paix revient, quoi. Hein, pourquoi ils prennent l'entrée? Elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent, ils traversent le bar, c'est ça, pour aller dans l'appartement, alors qu'ils ont une entrée dédiée? Ils traversent notre terrasse, donc se retrouvent en plein milieu de nos clients qui fument leur cigarette devant l'établissement. Et effectivement, nos clients nous accompagnent et nous soutiennent. Nous adressent des messages de compassion, nous apportent des fleurs, des chocolats, enfin ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau. Ouais. Et moi j'ai vraiment peur que si nous gardons notre calme jusqu'à présent, j'ai vraiment peur qu'un jour avec les clients puisse déraper. Mais oui. Effectivement. Mais bien sûr. Et je ne veux absolument pas que les choses se terminent de la sorte. Évidemment. C'est pour ça que nous demandons à la police d'Evreux d'intervenir assez rapidement pour que les choses se passent au mieux. Ne vous inquiétez pas, on continue à se tenir au courant. On ne vous laisse pas tomber et on se donne rendez-vous pour le verre de l'amitié là-bas chez vous. Merci. Julien Courbet. RTL. Bon allez Philippe, il est grand temps maintenant de parler de ce téléphone. Il me tarde de savoir quel voyage fantastique a fait ce téléphone que vous attendez désespérément. Vous qui nous arrivez de Brévillers ou Brévillers ? Brévillers. Brévillers, c'était ni l'un ni l'autre. Dans le Pas-de-Calais, que se passe-t-il à Brévillers s'il vous plaît Céline ? Trois caissières viennent d'être condamnées pour avoir allégé un petit peu la note de leurs proches lorsqu'ils passaient en caisse. Donc elles travaillent dans un supermarché du nord de la France. Elles viennent découper de 6 à 10 mois de prison avec sursis. En fait, quand les copains ou quand la famille passait à la caisse, elles ne faisaient passer qu'un article sur deux ou trois. Au total, ça fait quand même une note de 16 000 euros en moins pour l'Intermarché. Donc au final, elles viennent d'être condamnées. Donc ça, il ne faut pas les faire. Surtout, je suppose qu'il y a des caméras absolument partout. Oui, donc pensez qu'on ne va pas se faire avoir aujourd'hui, en 2023, avec tous les moyens pour retrouver le stock par rapport au code-barre. Bon, écoutez, voilà, elles se sont fait avoir, Qu'est-ce qu'il fait les chefs d'équipe dans l'agroalimentaire pour chiens? Racontez-moi, ça m'intéresse, hein. Oui, je travaille chez Nestlé Purino. D'accord. Donc je fabrique les aliments pour chiens et chats. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces aliments? Parce que des fois, les gens disent, oh oui, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les croquettes, dites-nous un petit peu. Là-bas, c'est beaucoup de la farine, sélectionne des blés, des maïs, des farines de soja. Après, au niveau du poisson, c'est la tête, les arêtes, la queue. Puis après, après la volaille, c'est un peu pareil. Donc après, on mélange, on fait une mixture. Ça donne envie, hein. Moi, je vais vous dire, je donne ça à mon Hervé. Hein, mon Hervé, il est content quand il a sa gamelle avec les croquettes, Hervé. Il fait partie du soja. Je lui donne ce que vous fabriquez. Il fait partie. Avant, il avait de la nourriture pour humain, mais depuis que je lui donne les croquettes, regardez la forme qu'il a. Il est content. Oui, il fait partie du staff qui goûte les aliments, peut-être. Non, vous goûtez pas les êtres humains. Non, il y a un chien qui parle, qui goûte et qui dit... Moyen retour en bouche. Petite saveur de pomme, enfin voilà. Bon, alors après ce moment intéressant, il faut le dire, dans l'émission, parlons du problème de Philippe. Donc vous avez commandé un téléphone, c'était un téléphone une seconde main, c'est ça? Oui, un téléphone reconditionné. Voilà, donc c'était une grande marque, c'était en quoi le téléphone? L'iPhone. Voilà, le combien? 12. Le 12, donc il était reconditionné, peu importe. Combien ça vaut aujourd'hui un 12 reconditionné? 430 euros. Voilà, il voulait faire cadeau, ça, à son fils. C'était pour quel anniversaire? Ses 17 ans. Pour ses 17 ans. C'est un beau cadeau. Il est tout fier. Il le commande. Et alors, comment les choses se sont gâtées? C'était déjà la troisième commande sur ce site internet. Donc, totale confiance. Les deux premières commandes, ça s'est toujours très bien passé. J'avais fait une commande en 2021. J'avais recommandé un téléphone en mai 2023 pour mon deuxième garçon. Et là, pour l'anniversaire de mon garçon, je recommande. Et là, tout a commencé à s'enchaîner. Au bout d'une semaine, pas de nouvelles. Donc, premier mail, on me dit ça va arriver. Donc, c'était bien écrit dans la semaine, j'allais l'avoir. Au bout de 10 jours, toujours rien. Et il nous envoie un lien de suivi pour savoir où est-ce qu'en est la commande. Ouais. Alors, pareil, la société, le SAV, c'est un numéro surtaxé. Donc si vous appelez, vous écoutez la musique, mais pendant ce temps-là, vous payez. Mais vous n'avez jamais personne au bout. Ah. Donc après, parce que vous faites, vous renvoyez des mails et on vous dit, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. Petite parenthèse, je crois qu'on les a en ligne, Stan, donc nous allons pouvoir avancer assez rapidement. Vous m'en dites plus, Stan, s'il vous plaît, celle des appels. Oui, c'est Céline qui a déjà réussi à avoir quelqu'un du côté d'Examobile, Julien. Céline est vraiment la plus forte. Céline, vous me passez quelqu'un? Bonjour.
Alors, ce monsieur vient de raccrocher. Je ne sais pas si je suis très forte. Peut-être que non, finalement. Il me disait qu'il n'était pas disponible en ce moment. Il faudrait le rappeler à partir de midi pour les réservations. Oui, alors on va quand même essayer de le rappeler. Il y a juste quelque chose qui me chagrine un petit peu, mais peut-être que je n'ai pas compris, Charlotte. ExaMobil, ils prennent des téléphones, ils les reconditionnent, ils les revendent. Donc, ça veut dire que quand on lui dit disponible, c'est qu'ils viennent de le reconditionner. Il est là, on l'a dans la main. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il a reçu un colis vide. Effectivement énormément de retard. Bon, ça c'était un premier problème. À la limite, s'il avait reçu finalement sa commande, ça aurait été. Sauf qu'il a bien reçu un colis, mais vide. Alors, la règle d'or, parce que c'est super important de connaître ses droits dans ces cas-là, parce que vous l'avez vu, la multiplication des achats se fait sur Internet, et ces histoires de colis vides, il y a plein de vidéos qui traînent, où l'on voit des livreurs ouvrir les colis, il y en a qui s'est fait gauler l'autre jour, il y avait quelqu'un au balcon qui était en train de le filmer, il était le camion ouvert, il ouvrait les colis, il mettait de côté ce qui l'intéressait, le reste. Règle d'or. La règle d'or. Comment mettons-nous à la place de la marque? Il dit, mais moi, je voulais envoyer. Et la personne dit, mais il n'y avait rien dedans. Qui prouve quoi? Eh bien, c'est l'article L221-15 du Code de la consommation. C'est le vendeur qui est responsable à la fois de la livraison et du fait que le bien et se trouve bien dans le colis qui est arrivé. La difficulté, c'est qu'effectivement, au moment où le colis arrive, eh bien, le vendeur n'est pas là. Donc, il peut toujours vous soupçonner d'avoir mis le colis de côté et de prétendre qu'il n'est pas là. Donc, c'est à vous de prendre toutes les précautions au moment de l'arrivée du colis pour prouver qu'il est arrivé vide. Charlotte. Alors, vous allez dire que je persifle encore un peu, mais ce que j'aime bien dans ce genre de dossier, c'est des petits détails comme, à un moment donné, une mention dans un mail où ils lui disent, comme il s'agit de l'envoi de produits sensibles, les colis sont pris en charge par le service de ramassage sécurisé de notre transporteur, très efficace apparemment. On voit bien que le colis a été trafiqué puisqu'il y a un genre de bout de scotch qui a été rajouté après pour refermer le colis. Par ailleurs, le colis faisait 20 grammes, ce qui nous surprend parce qu'un téléphone, ça fait au moins 200-300 grammes. Le vendeur s'est justifié en disant que c'était des étiquettes automatiques qui sortaient avant même la constitution du colis. Bref, beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce dossier avec une entreprise qu'on avait déjà appelée il y a quelques mois. Voilà, et on y reviendra dans quelques instants, on les connaît, hein. ExaMobil, on les a appelés plusieurs fois et ça avait d'ailleurs été réglé, me semble-t-il. Nous essayons d'avoir le président Amin Ben Abdallah afin qu'il puisse avancer dans ce dossier. Il aimerait bien l'avoir pour Noël. Il l'a acheté. Je ne vois pas pourquoi il viendrait sur un plateau de télé-radio pour expliquer et monter une arnaque. Il serait complètement fou. Alors on y va, on avance là-dessus. D'autres cas et bien sûr d'autres ça news. Ça peut vous arriver. Julien Courbet, à votre service. Il y aura beaucoup d'infos dans Ça peut vous arriver de news, arnaque, injustice, pouvoir d'achat. Là, nous sommes sur le cas de Philippe et son téléphone. Nous allons relancer l'appel puisque je le dis, Charlotte, ce monsieur a acheté un téléphone reconditionné. Et quand il ouvre le colis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le colis est un peu bizarre d'ailleurs. Oui, déjà, il est étiqueté faisant 20 grammes, ce qui paraît peu probable pour un téléphone. Et effectivement, le colis était vide, donc il faisait peut-être vraiment 20 grammes. Alors, nous avons appelé ExaMobil. Et on nous a dit, oui, pour les réclamations, c'est à partir de midi. Malheureusement, nous, on est un peu tenus par le temps, donc nous allons peut-être rappeler une deuxième fois. Ma Céline, vous vous occupez du dossier de Philippe, et ensuite, on attaque la voiture maudite de Kajenidje. C'est parti. Alors ça y est, l'appel est lancé, malheureusement ça ne répond pas. En fait, je reçois des textos de la part du gérant. C'est lui que j'ai eu au téléphone sans le savoir. Maintenant, je sais que c'est Amin Ben Abdallah avec qui je discutais. Il m'indique qu'il est vraiment en réunion jusqu'à midi, qu'il ne peut absolument pas prendre la parole. Je lui ai communiqué par texto toutes les informations du dossier. Il m'a dit à tout à l'heure, merci. Très bien, on va le laisser être en réunion. Un mot, oui, Charlotte, on les a déjà eus. Hein, on les a déjà eus. Et petite info complémentaire, sachez qu'ils se sont fait épingler par la répression des fraudes il y a quelques temps, notamment pour cette histoire de numéro de téléphone surtaxé pour leur service après-vente. Normalement, ils devraient avoir un numéro gratuit. Il est à combien? Également, là, vous me posez une colle, mais Céline a peut-être l'info puisqu'elle les a appelés. Et également aussi pour non-respect du droit de rétractation. Des gens se rétractaient dans les 14 jours, ils ne respectaient pas ça. 55 000 euros d'amende. Vous avez récupéré la patate chaude pour la taxation que vous ne connaissez pas vous non plus. Céline, voulez-vous la refiler à quelqu'un, la patate chaude? Non, je vais garder la patate deux minutes, juste pour vous dire que les numéros surtaxés, en fait, ne répondent plus actuellement. Donc j'ai eu ce monsieur sur son numéro de portable directement. Alors, Bernard Sabat, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, vous vous étiez échauffé avec lui il y a quelques temps, avec ce monsieur qui vous avait pris de haut, en disant je connais parfaitement la juridiction, il y a des procédures à suivre, il y a des démarches à faire de la part du consommateur, donc s'il vous plaît, restez bien à votre place. Et puis, entre-temps, il avait résolu ce problème-là. Alors, écoutez, espérons qu'il va le résoudre à midi, s'il le veut, ça peu importe, on n'est pas à 24 heures près, mais ce monsieur n'a pas son téléphone, il l'attend désespérément, il a fait confiance, donc
voilà, c'est tout. C'est à eux de vérifier que ça arrive bien dans les mains de la personne. On avance comme ça, vous inquiétez pas, ça va bouger. La dernière fois, ils ont réglé ce problème. J'ose espérer que ça sera le cas aujourd'hui. Eh bien, on y va pour Kachenidze qui est avec nous. Kachenidze qui nous arrive, on le rappelle, de... Montpellier. Montpellier dans l'Hérault. Que se passe-t-il là-bas, Céline ? Ce sera la fête à Montpellier ce jeudi parce que la ville, la métropole, va donner l'accès gratuit à tous ses transports en commun, donc notamment le tram et le bus. C'est la première métropole en Europe à faire ce procédé, donc gratuité de tous les transports. Il faudra simplement présenter un justificatif de domicile. Évidemment, il faut prouver qu'on habite bien Montpellier pour avoir le fameux sésame. Et donc, ce sera la fête ce jeudi, toute la journée, dans les transports en commun de la ville. Merci, Kachenidze. Rappelez-moi votre pays d'origine, c'est... La Guinée-Bissau. Alors, la Guinée et le plat, donc typique là-bas, la Guinée. J'adore. Il y a du mafé, il y a du tchepujène, c'est des plats traditionnels de chez nous. Oui, mais alors, le tchepujène, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Le tchep, c'est à base de poisson, en fait. Très bien. Oui, du bon poisson avec du riz rouge et des légumes. Voilà. Quand est-ce que vous me préparez un tapis de jam ? Oui, alors le préparer, non, mais aller dans un restaurant. Mais il doit y en avoir en il plus. Il doit y en avoir à Paris. Et le mafé, il y en a beaucoup à Paris. Il y en a dans la capitale. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en a dans toutes les grandes villes et toutes en province, mais à Paris, il y en a. Oui, oui, vous en avez un vous aimez bien retrouver là-bas ? Je le fais moi-même. Ah, vous le faites vous-même. Donc vous le faites vous-même et vous allez le manger dans le restaurant après. Non, je peux le manger. C'est bizarre comme technique, mais après tout, pourquoi pas ? Allez, on y va, Kachenidze. Vous êtes en formation pour aider des personnes à domicile et vous avez décidé d'acheter une voiture que vous avez... qu'est-ce que vous vouliez comme voiture exactement ? En fait, j'avais un souci avec ma 308. J'avais une voiture, une 308. Et du coup, j'avais des soucis. J'ai amené ma voiture à... Je peux dire la marque ou pas ? Ah ben là, vous avez déjà dit 308. Ah, donc on y est comme... Mais attendez, cette voiture, c'est pas celle que vous avez achetée ? Non, 308. Non. On l'oublie, cela. Oui, allons directement à la nouvelle. Du coup, en fait, de cette voiture, en fait, j'ai acheté une autre voiture. Et vous avez acheté quoi, alors, du coup ? Une 208. Vous avez descendu de 308, 208. Donc, ça veut dire que la troisième voiture qu'elle achètera, Sylvain, sera une 108. Eh bien sûr, bien joué. Quelque chose près. Bon, alors, vous l'avez trouvée où, cette voiture ? Dans un concessionnaire. Oui, mais sur une annonce ou... Non, en fait, on m'a fait une proposition de part. En fait, c'est moi qui ai fait la démarche d'appeler ce concessionnaire. Ouais. D'expliquer mon cas, mon contexte. Et de... Il a dit, j'en ai une sur le parking. Voilà. Donc, est-ce qu'on est, comme je le dis souvent dans l'émission, dans ces grandes concessions, vraiment d'une marque, avec plein de voitures d'occasion, avec plein de vendeurs en costume cravate ? Oui, c'est ça. Donc voilà, là, tout... Non, mais c'est important, c'est vrai. Il y a plein de gens qui vendent des voitures en appartement, et je dis, méfiez-vous. Donc, vous entrez dans la concession, vous l'achetez. Oui. Est-ce qu'elle... vous l'avez avec vous, cette voiture, elle marche ? Elle fonctionne, mais d'après la NTS, il me conseille de ne plus toucher cette voiture comme elle ne m'appartient pas. Parce que vous n'avez pas la carte grise. Voilà, c'est donc ça. Cette grande concession de cette grande marque ne vous a pas remis la carte grise. Qu'est-ce qu'il vous donne ? Alors ça, il est génial ce cas. Oui. Qu'est-ce qu'il vous donne comme explication ? La NTS, le vendeur. Le vendeur, en fait, me dit qu'ils vont faire une enquête, qu'ils n'étaient pas au courant de mon cas. Pardon ? Ils sont pas au courant quand ils vous vendent la voiture qu'ils vous ont pas donné la carte grise ? Non, apparemment, le vendeur qui m'avait... fait signer les papiers étant reconversion professionnelle, donc il a démissionné. J'aimerais bien persifler un peu et dire « J'étais pas au courant que j'avais pas payé la voiture, monsieur. »« Bah ouais, mais monsieur Courbet, ça fait un an que vous l'avez. »« Bah, mais j'étais pas au courant, monsieur. » Bon, donc il ne savait pas que le vendeur ne vous a pas donné la carte grise. Bon, enfin, ceci étant dit, le patron, après, il doit s'en apercevoir et il prend une décision. Mais le problème, c'est que la raison pour laquelle aujourd'hui la carte grise ne veut pas être faite est assez inquiétante. Il y a eu en fait, c'est un véhicule qui a été endommagé, accidenté, donc il devait faire l'objet de réparations, puis d'un rapport d'expertise qui valide sa remise en circulation. Oui. Et visiblement, ça n'a pas été fait. Alors là, c'est super. Vraiment, ce cas, j'adore parce que la marque en question va pouvoir nous montrer si l'on a raison de dire passer par des grandes marques et des concessions ou alors prenez le premier venu et tant pis pour vous. Parce que si là, il ne règle pas le problème, c'est quand même gravissime, je pense. C'est pour ça que justement, je me suis dit, bon, autant aller dans une... Mais vous avez bien fait, Alors attention, maintenant... C'est le seul cas, apparemment. Voilà, exactement, c'est le seul. Statistiquement, sur les 24 dernières années, je pense qu'on a eu 3 cas de concession et 1000 ou 2000 ou 6000 ou 10000 cas de voitures sur les sites d'annonces gratuites. Alors on va voir, ça va être passionnant, là. Hein. À votre avis, ça va se passer comment ? Disons qu'aujourd'hui, Kachenidze, je crois, ne veut plus de cette voiture, parce que je pense qu'elle aurait bien aimé savoir quand même aussi qu'elle avait été accidentée. Bien sûr, mais elle a complètement raison. Au-delà du problème de carte grise, ça, ce n'était pas une information qu'elle a eue. Donc, accidentée, on va voir un petit peu ce que ça dit et on va avancer. Ensuite, le carrelage maléfique de Michel. Mais on a l'impression que c'est... qu'il y a une sorcellerie, vous savez, les carreaux se lèvent, se décollent, s'envolent, et le carreleur ne fait rien. On attend des nouvelles de Philippe. Et alors, des infos news, en veux-tu, en voilà, dans Ça peut vous arriver. Vous allez apprendre des tas de choses avec Blanche Grandvilliers.
vous suivez, ça peut vous arriver. Stan, ça va pas avancer beaucoup les choses, mais est-ce qu'on a bien une petite photo de cette voiture quand même ? Oh oui, bien sûr, on a une petite photo de cette voiture, on vous la met derrière vous, Julien, regardez, elle est là. Vous avez été chroniqueur auto, je crois, Hervé Pouchol. Décrivez-nous un petit peu cette voiture, vous auriez dit quoi dans vos articles avant qu'on vous vire à l'époque ? Alors attendez, je vais mettre mes lunettes, voilà. Parce que je la vois, effectivement, c'est une voiture plutôt sport, on dirait. Est-ce qu'on peut changer d'image, s'il vous plaît, pour qu'on excelle, que je puisse décrire, parce que de face, c'est pas évident. Alors regardez, l'arrière est... Mais j'ai l'impression que vous décrivez mieux le derrière que le devant. Oui, non. C'est une alors constante dans votre vie, oui, allez-y. L'avant est très sport, l'arrière, je dirais, un petit peu classique. Ça veut dire. Mais je préfère l'avant, qui est très très racé, avec, vous voyez, le petit pare-choc qui va bien. L'intérieur, il n'y a rien à dire, siège velours, j'aurais mis du cuir car c'est vrai que l'été c'est quand même beaucoup plus confortable, mais sinon elle est magnifique cette voiture, très bon choix. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ils ne voulaient plus de vous pour écrire les articles. Je tenais à ce que la démonstration soit faite en direct. Non mais je plaisante, bon mais c'est vrai. Mais quand vous dites très rapidement à la concession, enfin je rentre chez vous dans une grande concession, vous me refourguez une voiture qui n'a pas de carte grise, qui a été accidentée, ok, vous êtes passé entre les mains, mais faites quelque chose. Tout ce qu'ils m'ont pu me dire, c'est qu'ils font une enquête. Donc je dois attendre l'enquête. Et je rappelle, alors ça aussi c'est terrible, il faut qu'on attende l'enquête comme si c'était notre faute à nous, ils veulent savoir à l'intérieur de la concession a fait la bêtise, mais on s'en fout nous, de savoir quand ce monsieur de cette marque va aller au restaurant. Si on lui sert un poisson pourri et qu'on lui dit « on ne vous le change pas », on veut d'abord enquêter pour savoir qui a cuisiné ça. Je m'en moque, vous m'en apportez un autre et vous réglerez ça après. Allez, on va appeler, c'est Bernard qui s'en occupe, mais là c'est un très très beau dossier. Avant d'attaquer de nouvelles news, ça peut vous arriver. C'est parti. Julien Courbet sur RTL. Blanche, je vous donne la parole. Résumez-moi le cas de Kachenidze et nous allons ensuite... téléphoner, parce que là, on est en plein dedans, j'ai envie de vous dire. Je passe mon temps à répéter les grandes concessions. C'est là qu'il faut acheter. Ben là, acheter, et il n'y a pas de solution. Ah bah c'est très simple. Encore. Elle a acheté un véhicule et elle n'a pas la carte grise. Et la difficulté, je pense que ça en fait partie. Elle l'a acheté via une LOA. C'est-à-dire qu'il y a un organisme de financement entre les deux. Et à mon avis, ça explique pourquoi ça complique le problème. Ah bien. On va voir ça, on va essayer de le décompliquer. Vous l'aviez payé quand même 13 000 euros. Hein, vous avez cassé la tirée. Encore, en fait. Oui, mais on l'a payé tous les mois. Oui. Donc, elle ne peut pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu, cette voiture, l'historique ? Elle a eu un bel accident, apparemment ? Je sais pas au courant. Je sais juste que la NTS m'a dit qu'elle est véhicule accidenté depuis 2020. Donc, j'ai pas demandé plus de détails. Bernard, attention, salle des appels. Là, Bernard, vous jouez votre va-tout, vous jouez votre joker, parce qu'il faut vraiment que ça avance. Alors, on va appeler un énorme groupe. Bonjour, Carlo, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, monsieur Julien Courbet, à l'appareil en direct sur la radio RTL et en simultané sur M6. J'ai besoin que vous me passiez quelqu'un qui peut m'aider. J'ai une dame qui est sur mon plateau, qui a acheté une voiture dans une concession, une belle concession, et malheureusement, il s'avère qu'elle ne peut pas l'utiliser parce que, Charlotte, notre enquêtrice, vous le dit... Elle n'a pas la carte grise. Effectivement, c'est un véhicule d'occasion qui, visiblement, a été accidenté il y a quelques années. Et le rapport d'expertise autorisant sa remise en circulation n'a visiblement pas été fait. Mais on lui a quand même, entre guillemets, revendu, pour ne pas dire un autre mot. Alors, aujourd'hui, elle dit que c'est pas possible. Si, maintenant, s'il se passe comme ça chez Peugeot, où va-t-on ? À qui puis-je parler, s'il vous plaît ? Le véhicule a été vendu où ? Il a été... Vous l'avez acheté où, madame ? Je l'ai acheté à Clermont-l'Hérault. À Clermont-l'Hérault ? Oui, Clermont-l'Hérault. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir la concession, d'ailleurs ? Ça serait intéressant, les amis. C'est celle-là. Voilà. Ah, c'est celle-là, c'est là où on est ? Ah, pardon, on est chez vous, monsieur. Alors, qui était le vendeur, vous saviez ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Parce qu'apparemment, on lui dit qu'il y a eu un petit souci avec le vendeur. Qu'est-ce qu'on vous a dit, madame ? En fait, que le vendeur ne travaille plus là-bas. C'est juste dingue de vendre. C'est quoi le prénom du vendeur ? Le prénom du vendeur, vous vous rappelez ? Non, je m'en souviens. Elle s'en souvient plus. Mais on peut vous donner toutes les références. Papier que j'ai envoyé. Julien, c'était Julien. C'était Julien. D'accord, parce que moi je suis à l'atelier, donc c'est pas moi qui vais... Non mais est-ce que vous pouvez... Monsieur, vous n'y êtes pour rien, je vous remercie de votre gentillesse. Est-ce que vous pouvez me passer le bureau de la direction ?
Ouais, bah écoutez, je vais me renseigner si vous avez une petite seconde. Allez, avec plaisir. Merci, monsieur. Je vais me renseigner. Alors, faites-moi un petit point. Merci, monsieur. C'est très sympa à vous. Et bonne fête. Bernard, on est à quelle concession, là, exactement ? Dites-nous. Là, on est à la concession 9, route nationale 9, de 34 800 à Clermont et Hérault, là où on l'a acheté la voiture. Très bien. Et le président de ce. Ah oui, c'est Peugeot Rick Ware. Ça s'appelle comment ? Exactement. Rick Ware. R-Y-K-C-K-W-A-E-R-T. C'est Paul Rick Ware qui en est le président. Et c'est Janine Rick Ware qui en est la directrice générale. Si l'un des deux Rick Ware m'entend, eh bien voilà, essayez de nous dire ce qui se passe. Mais moi, je serai vous. Je reprends vite cette voiture. Parce qu'alors, vendre à une cliente une voiture dont on ne connaît pas le passé avec un vendeur qui n'y est plus, etc., c'est pas super sérieux. La pauvre, elle attend depuis combien de temps maintenant ? Un an. Et alors, on appelle vite fait la direction également de Peugeot, hein, parce que c'est tout le groupe Peugeot là, qui est mis en avant. Hein. Blanc. Oui, parce que là, on n'est pas seulement dans l'application de la garantie de conformité, Julien. Il y a un. Enfin, en tout cas, une réticence sur un élément déterminant qui est le fait que le véhicule était accidenté. Mmh. Et en plus, on n'a pas l'expertise qui permet de dire qu'il a été correctement réparé. Donc là, c'est du sérieux. Bon, allez, on essaie de lancer tous ces appels. Ne bougez pas, ma chère Kachinidze, nous allons avancer. Plus tôt dans la matinée, nous avions une émission spéciale avec nos amis d'RTL Yves Calvi, notamment, et notre amie Amandine Bégaud qui était en duplex depuis Saint-Omer. On en a profité pour faire une spéciale indemnisation. Parce que les gens, Sylvain Baron, redisons-le, ne comprennent pas quand il y a des inondations et qu'ils ont tout perdu, que ça prenne autant de temps, leur dit ça manque d'experts et compagnie. Or, allez-y. Effectivement, Julien, il y a des délais à respecter entre la déclaration, le choix de l'expert par l'assurance, le rendu du rapport et l'analyse du rapport et le paiement. Et c'est toujours trop long. Alors, on avait deux auditeurs téléspectateurs qui avaient deux problématiques différentes, Charles Haute. Nous avions Mathieu, lui, deux problèmes. Un, le montant de l'indemnisation proposé par l'expert n'était pas suffisant à son goût. Et deux, les travaux n'avaient toujours pas commencé alors que visiblement rien ne bloquait un début de travaux. Et pour Carole, c'était le rapport d'expertise qui a été fait mais toujours pas rendu. Alors Hervé, vous avez vous téléphoné de votre côté, salle des appels pour Mathieu. Où en est-on avec la MAF, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Alors j'ai demandé à la direction de la MAF de revenir sur le dossier de Mathieu Collin. Deux objectifs, revoir l'indemnisation bien entendu, et puis surtout réduire les délais parce qu'il attend vraiment ses sous le plus rapidement possible. J'attends du nouveau, mais j'ai eu un petit retour. Le dossier est en instruction. Ah. Enfin, en instruction. Ils sont en train de le re-regarder. Il a déjà été instruit. D'accord. Ils sont en train de le revoir. De votre côté avec Carole. Pour Carole, notre ancienne empaqueteuse dans une verrerie, où en est-on, Bernard Sabat? Mais en début de matinée, donc, j'avais eu Muriel de la direction qui était dans le moyen de transport. Elle m'a rappelé il y a une demi-heure de cela pour me dire « Bernard, ne vous inquiétez pas, j'ai revu le dossier, je suis en train de le voir avec les inspecteurs en question et donc je vais revenir vers vous très vite. Je l'espère avant la fin de matinée. » On espère, et puis sinon on y reviendra demain. On est encore là tout au long de cette semaine. Ensuite, il y aura, je crois, les grands moments pendant toutes les vacances et puis on reviendra début janvier. Allez, pour Kachinidze, on attend d'avoir des nouvelles de Peugeot. J'ose espérer que Peugeot va me faire mentir et va montrer à la France entière que quand on rentre dans une concession Peugeot, ça ne discute pas. J'aurais besoin de vos lumières. Je rappelle que vous êtes ingénieur. Combien d'années pour être ingénieur en bâtiment ? 5 ans. 5 ans, hein, oui. Donc ça veut dire que le cursus, normalement, c'est 2 ans. Vous, il vous en a fallu 5. Effectivement. Non, 5 ans. Et vous allez nous parler de ces carreaux de Michel. Alors là, vous aviez déjà vu ça, vous, des carreaux qui s'envolent comme ça ? Oui, bah, c'est classique. Oh, on a l'impression qu'il y a une sorcellerie. Vous allez voir, moi j'ai vu les images. Je me suis dit, un sorcier là derrière. On s'en occupe et vous allez nous expliquer tout ceci dans « Ça peut vous arriver ». Ça peut vous arriver. Vous savez que Guillaume m'appelle souvent, Charlotte, en me disant « Comment va-t-elle ? Elle ne me donne pas de ses nouvelles. » Je lui dis « Écoute, Guillaume, tu sais quoi ? Je vais te la passer. » Et elle-même me demande des nouvelles, donc allez-y, faites votre petite affaire. Guillaume, bonjour ! Bonjour. Oui, parce que Guillaume, son mariage a été annulé, donc vous avez tout de suite... Hein, non, j'allais dire, ça tombe mal, parce qu'ils sont quand même mariés à la mairie. Hein. Ah, bon, certes, la fête a été annulée, alors, mais pas le qu'est-ce qui s'est passé pour Guillaume ? Dites-nous. Effectivement, crise sanitaire, ils annulent leur mariage, en tout cas la fête qu'ils devaient faire, et le lieu de réception devait rembourser, puisqu'ils n'avaient pas pu faire autrement. Le problème, c'est qu'on leur devait encore 1 765 €. Et c'était la petite Collonge qui s'était occupée de ça, la spécialiste de l'amour. La spécialiste des mariages, vous aviez convenu hors antenne un échéancier, je crois. Racontez-nous un petit peu, Céline.
Oui, j'étais assez contente. Un échéancier pour un remboursement, c'était 300 euros par mois jusqu'à mai prochain. Ça devait commencer dès le mois de décembre. Donc, est-ce que ça a été fait ou pas? Je ne sais pas, il faut voir avec Guillaume. Eh bien, nous allons voir avec vous aussi, parce que je crois que vous avez la personne en ligne. Guillaume, pas de suspense, vous n'avez pas été payé? Et malheureusement, non. Pas de nouvelles, pas de paiement, pas de rien du tout, en fait. Bon, alors Guillaume, nous allons demander à Céline si elle a pu avoir Monsieur Darada en ligne. Darada est en ligne avec nous. Julie. Monsieur Darada est là. Bonjour Monsieur Darada, comment allez-vous? Oui, bonjour Monsieur alors, Courbet. Julien Courbet, hein, nous sommes, vous le savez, sur M6. Je ne veux pas vous embêter, Monsieur Darada. Où on en est sur le dossier de Guillaume, s'il vous plaît? Vous êtes gentil de nous parler. Oui. Bah, dites-moi, j'ai au niveau du versement, je l'ai fait hier. Ah, c'est pour ça qu'il a rien, d'accord. Voilà, j'ai mis juste un petit peu de temps parce que je ne retrouvais pas. Enfin voilà, j'ai dû rechercher dans mes mails. Au niveau du RIB. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis, voilà, ça a été fait hier. Eh ben, c'est super. Donc, hier, vous me promettez, monsieur Darada, qu'hier, il y a un virement de 300 euros qui est parti, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon. Ça a été fait, il n'y a aucun problème. Bon, et donc, ça sera jusqu'en mai 2024, monsieur Darada? Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez entendu, Guillaume, voilà, il y a eu un petit retard à l'allumage, ça peut arriver, ouais, effectivement, il a retrouvé pas le RIB, mais c'est parti hier, donc vous me confirmez fin de semaine que vous l'avez arrivé, et c'est parti, moi j'ai confiance en monsieur Darada. Okay, oui, il n'y a aucun problème, vous verrez d'ici vendredi, ça sera sur son compte, hein, il y aura aucun problème. Et moi, on pourrait se dire, j'ai pas confiance en Courbet, mais Céline, vous avez confiance en monsieur Darada, vous me l'avez dit. Oui, j'ai totalement confiance. On avait échangé avec ce monsieur Darada par texto. Il m'avait dit reconnaître l'erreur, mais comme beaucoup de sociétés, parfois, il y a des problèmes de trésorerie. Là, ça peut être le cas, mais tout va rentrer dans l'ordre. On a beau. Allez, voilà, merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur Darada. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Merci à vous. Merci. À vous aussi. Bon. Merci. Guillaume, vous me donnez des nouvelles. Je suis certain que ça va s'arranger. À bientôt, Guillaume. Merci. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Très sympa, ce monsieur Darada. Bienvenue à Gala Swing. C'est Darada. Évidemment. On n'allait pas passer à côté. Hein. On est des professionnels avant tout. Blanche de Grandvilliers. Vous êtes bien aimable, je vous trouve bien aimable. Il y a le Covid là, espérons qu'il n'y aura plus de confinement. Mais par contre, il y a de plus en plus d'inondations, de tempêtes et tout, qui font qu'un mariage peut être annulé parce qu'il y a eu des dégâts. Ça arrivera un jour ou l'autre, qu'une salle des fêtes soit... Claire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, s'il vous plaît? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un événement de force majeure. Et donc, si la salle ne peut pas être mise à la disposition donc, des mariés, les mariés doivent être remboursés. C'est l'application du code de la consommation. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces ordonnances dont on a parlé avec Bernard, qui ont prévu des délais donc pour permettre aux professionnels soit de fournir une prestation équivalente avec un avoir, soit un remboursement, mais décalé au bout de seulement 18 mois. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle pour M. Darada. Un petit peu plus tard, nous allons traiter le cas de Michel. Alors, revoyons une nouvelle fois les carreaux. Regardez ça, en pleine nuit. Les carreaux se soulèvent, Charlotte. Et regardez, il se dit, c'est pas possible. Si ça se trouve, c'est des tombes dessous. Il va y avoir des zombies comme Michael Jackson qui vont sortir de là. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est le béaba, Sylvain Baron. C'est que ce monsieur, c'est la faute à pas de chance aux intempéries ou alors Julien, il y a deux choses à respecter. Le DTU 36.5 qui traite de la pose des menuiseries et des éléments nécessaires pour repousser l'humidité et du DTU 52.2 de la pose de carrelage auprès d'une menuiserie. Voilà, c'est deux choses importantes, évidemment. Oui. C'est un peu... Faites un peu monsieur supérieur là, avec vos DTU. Hein. Vous essayez de nous en mettre plein la vue parce que vous savez qu'on ne comprend rien. Non, mais toutes les normes de mise en œuvre des produits ont été écrites et ces DTU-là sont à la disposition. Et normalement, le gars qui pose votre carrelage, eh ben, il doit connaître ces DTU-là. Il doit dire si je ne peux pas poser un carrelage comme ça, ce n'est pas possible. Mais surtout, excusez-moi, je fais ça. Ça peut arriver après tout. Mais je me confonds en excuses. Je me dis, mais monsieur, combien avez-vous payé pour ça? Pas loin de 15 000 euros. Ouais, 15 000 euros, c'est énorme. Je dis, je vais tout refaire, je suis désolé, monsieur, j'ai honte d'en parler à personne, je vais vous refaire. Non. Et là, lui, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, monsieur? Rien. Voilà, donc c'est quand même fou. Il répond plus. Il a même dit que c'était de la faute des matériaux. Voilà, Charlotte. Vous verrez qu'il a une double casquette, ce monsieur, j'étais très surprise de découvrir laquelle. Je vous le dis pas. Eh bien, tant mieux, parce que ça veut dire au moins qu'il est sûr de ne pas attraper une insolation. Ça, c'est. Bah, oui, des fois, une casquette seule ne suffit pas. Nous allons donc avancer. Il y aura également les news. Je réponds pas sur les réseaux sociaux. Sylvain Baron invente les DTU, ça n'existe même pas. C'est pas grave. Sylvain, on vous laisse faire, mais non, ça existe vraiment là tout ce que vous dites. Oui, complètement. Bon, alors voilà. 36.5. Il est ingénieur quand même. Ne remettez pas en cause. DTU 36.5. Julien Courbet. RTL. Elle s'appelle Ninja.
Kate Ninje. Elle est en formation pour aider des personnes à domicile. Elle écoute, elle, contrairement à d'autres, les conseils de l'émission. Maintenant, elle regrette un peu. Elle est rentrée dans une grande concession pour acheter une voiture. Elle s'est dit, il n'y aura pas de souci. Eh bien, figurez-vous, alors, encore une fois, sur 24 ans d'émission, je crois, mais très honnêtement, que c'est la troisième fois qu'une grande concession voit une voiture comme ça, un peu litigieuse. Mais néanmoins, il faut le souligner, on va voir comment Peugeot traite le client dans ces cas-là. Gros problème quand même, puisqu'elle n'a toujours pas la carte grise de ce véhicule acheté au printemps 2023. Le souci viendrait du fait que ce véhicule d'occasion a été accidenté par le passé et on ne sait pas s'il a bien été réparé. Ce qui est insupportable, et je m'adresse au grand patron de Peugeot, c'est qu'elle aurait pu aller chez Renault, elle aurait pu aller chez Toyota, elle aurait pu aller chez Hyundai, elle est venue chez vous Peugeot. Et aujourd'hui, vous lui dites, on vous a vendu une voiture qui n'était pas nette, on doit, avant de prendre une décision, mener une enquête. Mais enfin, elle y est pour rien. Elle va nous mener votre enquête si vous voulez, mais vous faites quelque chose, vous lui en donnez une autre, vous la remboursez, mais vous ne lui la faites pas patienter un an. Sinon, après, elle va dire, la prochaine fois, tu sais quoi, au lieu de rentrer chez Peugeot, je vais aller chez Toyota, parce qu'on me dit que c'est des super voitures. Non, alors, allons-y. Où en est-on, s'il vous plaît, qui s'en est occupé? C'est vous, Bernard. C'est moi. Oui, donc j'ai eu ce chef d'atelier qui est charmant et qui, quand je lui ai raconté l'histoire, m'a dit, écoutez, c'est incroyable qu'on ait pu vendre une voiture qui n'est pas immatriculable. Donc, il ne comprenait pas. Il m'a dit, je vous promets que le président Paul Rigvert devrait vous rappeler rapidement, Jeanine étant la maman de Paul. Ah ouais, elle a dû prévenir, sûrement créer le garage avec c'est son papa. C'est donc plus Emmanuel Macron, maintenant. Non, c'est le nouveau président s'appelle Paul Rigvert. Il va vous appeler donc d'ici la fin de l'émission. Je l'espère. Eh bien, je l'espère aussi. Puis la direction de Peugeot, voilà. Encore une fois, mais vous avez le droit de passer entre les mailles du filet sur des milliers de voitures vendues par Peugeot. Tout se passe bien. Mais on n'a pas le droit de dire à une personne qui vous fait confiance, on vous a vendu une voiture un peu à la one again, mais tant pis pour vous, vous attendez. Enfin, c'est insupportable, ça. Oui, depuis le 17 novembre, ils sont parfaitement au courant. Ils auraient dû donc rembourser l'argent qu'elle a dépensé, donc qu'elle a versé à l'organisme de financement, et puis effectivement, venir récupérer la voiture pour qu'elle puisse en acheter une autre. Bon, allez, avançons. J'ai essayé même de les contacter pour avoir le PDG le mardi, et en fait, il buvait un café, il n'avait pas le temps de me répondre. Ah oui, mais alors là, pour le coup... Non, moi, le café, je vais vous dire, là, vous avez de la chance. Pas ce café, ouais. Je m'occupe de vous. Vous pouvez me rappeler, quand même. Parce que, oui, je vous aurais rappelé. Mais quel que soit le problème, moi, quand je bois un café, j'aide personne. Ah, j'ai vu des gens à l'agonie en train de mourir. Aidez-moi ! Non, je bois mon café. Non, monsieur le policier, on va avancer. Prenons des nouvelles en attendant d'avoir les news de Ça peut vous arriver, les différents cas. On a des trucs incroyables dans les news. De Laurent, qu'est-ce qui lui arrive à... On va l'appeler Lolo, Charlotte. Lolo, il a payé 1000 euros d'acompte pour des travaux sur ses gouttières. Les travaux n'ont jamais commencé, alors il attendait un remboursement. Il est avec nous, Laurent ? Oui, je suis là. Bon, alors, non, c'est Bernard Sabat qui s'était occupé de vous. Vous vous rappelez de ce cas, Bernard ? Très bien, c'était un casus belli. C'était vraiment extrêmement tendu entre notre ami Laurent et donc cette boîte. Une blague. Casus belli. Parce que la société s'appelle Belli, je veux dire. C'était juste un jeu de mots. Bon, pardon. Quand on en arrive à devoir expliquer ses blagues, Bernard, c'est un petit peu... C'est pas bon signe. C'est jamais bon signe, allez-y. Et donc, on avait eu ce monsieur qui avait dit, écoutez, laissez-moi, je sais que je ne suis pas venu, mais je dois 1000 euros. Je vais faire le maximum pour pouvoir les rembourser. L'a-t-il fait ? En plus, Laurent... Aisine, c'est là où j'ai vécu de 10 à 20 ans, Aisine, la première maison que mes parents, petite maisonnette, une petite maison que c'était achetée, elle était à Aisine, donc c'est toute ma vie là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, mon Laurent ? Eh bien, Monsieur Belli a tenu ses engagements et a remboursé. Eh ben bravo à Monsieur Belli, c'est super. Moi, j'ai dit tant mieux. Belli Gouttière, c'est du sérieux. Et fils, parce que les fils reprennent le flambeau, ils ont tout remboursé, donc tout est terminé pour vous, Laurent. Tout est terminé. Et donc, un grand merci à toute l'équipe qui a œuvré sur ce dossier qui, je pense, sans votre intervention, n'aurait jamais abouti. Oh, je sais pas. Peut-être que M. Belli aurait fait quelque chose, mais en tout cas, il l'a fait. Pour nous, c'est un gage de sérieux. Et c'est pour ça, étant pianiste à mes heures, que je tiens à lui rendre hommage maintenant. Belli Gouttière, Marie Galance. C'est Belli Gouttière, la chanson. Saint-Vincent. Ça coule partout, tout le temps. Allez-y, Blanche. Oh, ça coule le long des gouttières, sauf quand on les achète chez Belli Gouttière. Voilà, un hommage. Bravo. Qu'est-ce que vous en pensez, Kachinidje ? Ça va, c'est pas mal. Si je vous donne trois adjectifs, Kachinidje, choisissez lequel correspond le plus à ce que vous venez de vivre. 1. Gênant. 2. Pitoyable. 3. Inintéressant. Il y en a une. Gênant. D'accord, on est bien d'accord. Oh non, mais elle a raison.
Mais pourquoi vous n'avez pas laissé une... Elle a du nez, non. Possibilité gentille. De positif, parce que moi-même, en le chantant, je n'ai pas trouvé de positif. Alors. C'est pas elle qui va vous en trouver. Hein. Oui, ben, et dites-le, Hervé Pouchol, vous êtes gentil, un peu de solidarité m'aurait fait du bien. Oui, bon, enfin, là, sur ce coup-là. Bon, non. En attendant, tous les deux, essayez d'avancer sur le cas de Katenidjé. Hein. Avec Peugeot, il nous faut vraiment quelqu'un. Vous voulez le remboursement maintenant, parce qu'en plus, vous ne connaissez pas le passé de cette voiture. Non. Bon. Alors, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous allons parler, mon cher Stan, des news de Ça peut vous arriver, et nous avons du lourd, du très lourd, du très très lourd. Allez-y. Dans un instant, Jessica Bisson, notre envoyée spéciale dans l'heure, avec cette jeune femme qui se plaignent d'un DJ à qui il a pris des acomptes sans jamais faire les réalisations. Et puis, notre Pascal Normand national en direct de La Beaujoire. Vous connaissez La Beaujoire, le stade de Nantes. Exactement, puisque des petits malins s'amusent à usurper l'identité de grands clubs de foot pour faire croire à de jeunes apprentis footballeurs, eh bien écoutez, qu'ils pourront peut-être avoir une chance de venir dans le club à condition de payer, Julien, évidemment c'est une arme. Info architecte, Charlotte. Il aurait arnaqué 32 personnes, préjudice total 1,3 million. Il y aura plein d'autres choses. Il y aura Sylvain Baron qui va donc aider pour ses carreaux maléfiques Michel. Et puis les rebondissements sur tous les dossiers que nous avons traités depuis ce matin. Et de la règle d'or, en veux-tu, en voilà, avec Blanche de Grandvilliers. C'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Paulette Merguez. Mais elle s'est dit, ça ne le fera pas pour mon cabinet. C'est vrai. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Mesdames et messieurs, voici la dernière ligne droite, voici la dernière heure de votre émission. Ça peut vous arriver. Arnaque, injustice, pouvoir d'achat, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Deux cas ont été lancés à n'importe quel moment, des alertes avec la salle des appels que je vous représente une nouvelle fois. Nos trois négociateurs sont là, prêts à faire avancer les dossiers. Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour. Céline Collonge, bonjour. Bonjour. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour. J'attends donc des alertes sur le cas de Philippe. Philippe qui a commandé un téléphone, Charlotte, téléphone reconditionné qu'il devait offrir à son fils. Quel âge avait-il ? 17 ans. Il venait d'avoir 17 ans. Il voulait un iPhone et pourtant, il n'a rien eu. Pourquoi ? Puisqu'il a reçu un colis vide. C'était un téléphone qu'il avait quand même payé plus de 400 euros. Et à ce jour, le site internet sur lequel il l'a acheté, Examobile, ne lui donne pas de réponse pour son remboursement. Nous sommes sur le coup. Nous avons appelé tout à l'heure Céline et le monsieur nous a dit « I don't speak before 12 o'clock » parce qu'il est en réunion. Exactement, monsieur Ben Abdallah, qui est le gérant de cette belle marque Examobile. On devrait avoir du nouveau d'ici une heure, on l'espère. Vous jouez au Scrabble et vous avez le droit de mettre des prénoms. Je vous conseille de mettre Kacheninje, mot compte triple, 995 points d'un coup. Kacheninje. Voilà, son prénom est aussi beau que celle qui le porte, qui a acheté une voiture chez Peugeot. Malheureusement, elle a des soucis, la voiture. Pas de carte grise, et pour cause, elle a été accidentée, cette voiture, il y a quelques années, et on attend le rapport d'expertise validant sa remise en route. Et c'est dans une grande concession, alors là, je me trouve un peu couillon, parce que je répète à longueur de journée, rentrer dans les grandes concessions, vous n'aurez pas de soucis, là, ça fait un an qu'il ne se passe rien, il faut donc qu'il se passe quelque chose. Mais tout de suite, souvent imité, jamais égalé, mesdames et messieurs, voici les news de Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Charlotte et Sylvain, nous avons besoin de vous pour parler de ce faux architecte qui aurait arnaqué 32 personnes. Le rappel des faits, Charlotte. Merci à Florémy Blanc qui suit ce procès pour le Dauphiné libéré et qui nous relate les faits. C'est un procès en cours et qui juge un faux architecte accusé d'avoir arnaqué 32 personnes. Alors le mode opératoire est très simple. En fait, il se voyait confier des chantiers en tant qu'architecte et malheureusement, les chantiers n'étaient jamais terminé. Il a expliqué devant le tribunal correctionnel de Privas en Ardèche qu'en fait, malheureusement, c'était des soucis de gestion et des soucis financiers qui l'empêchaient de terminer ses travaux. Il dit n'avoir jamais eu l'intention d'arnaquer ces personnes. Le problème, c'est qu'il terminait les chantiers des uns avec les nouveaux chantiers qu'il prenait, donc il faisait ce qu'on appelle de la cavalerie. Et aujourd'hui, le procureur de la République requiert 5 ans de prison, dont 2 avec sursis contre lui. Également, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis contre l'entrepreneur avec qui il travaillait. Et le jugement sera rendu le jeudi 21
fin décembre. Il est ingénieur en bâtiment. Il intervient dans cette émission. Il s'appelle Baron. Dans le milieu du rap, on l'appelle Romba. Mais Sylvain, la question, c'est est-ce que, en quoi c'est nécessaire pour vous, pour celui qui a une petite maison à construire, on ne parle pas d'un château, cette petite maison dont on rêve tous, de prendre un architecte, ça me couvre de quoi, etc. Alors, prendre un architecte, vous avez normalement, si celui-ci est bien inscrit à l'ordre des architectes, et pour le coup... Il faut vérifier. On peut le vérifier, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ses assurances, parce qu'en général, les architectes à l'ordre des architectes sont à la mutuelle des architectes français. Alors là aussi, comme c'est un architecte, on lui demande pas aussi. Je vais quand même pas demander une assurance. Mais si, un architecte. Mais si, il faut contrôler. Et l'avantage d'un architecte, c'est qu'en théorie, il a la maîtrise globale de la construction. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique sur les chantiers, alors, ils ont une partie, mais ils prennent des entreprises alors, justement pour étayer leur... Maintenant, la responsabilité, parce qu'on peut aussi construire une maison sans architecte, une petite maison, jusqu'à combien de mètres carrés à peu près sans architecte ? 160 mètres carrés. 160 mètres carrés. Dès que ça fait 161 mètres carrés, vous êtes obligé de passer par un architecte. Maintenant, les travaux sont catastrophes, règle d'or. Règle d'or. La règle d'or. Oh là 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 là, vous êtes sur Radio Olica. Ben oui, ça, vous n'entendez pas ça si vous zappez l'animateur qui est obligé. Ne riez pas, elle rit, Kachenidze. Je suis obligé de vous rendre compte de dire règle d'or pour qu'on m'envoie le jingle. Non, l'architecte, si ça se passe mal, est responsable? Oui, bien sûr, il peut avoir une responsabilité puisque c'est un mandataire. Donc, il répond des fautes dans sa gestion. En plus, généralement, c'est lui qui vous conseille les entreprises. Donc, effectivement, il fait le nécessaire généralement pour que ça se passe bien. Je rappelle, Julien, que si vous voulez construire une petite maison comme vous dites, le mieux c'est de passer par le contrat de construction de maison. Ça c'est le conseil. Parce que vous avez toutes les garanties. Alors on a des dossiers, on sait que ça prend du temps, mais au moins vous êtes sûr au final d'avoir votre maison. Sylvain, qu'est-ce que je demande à celui qui me dit je vais vous construire votre maison, donnez-moi et je signe quoi? Notez bien, parce qu'une petite, on parle de petite maison, hein, ça vous couvre de tout. Quelle que soit la construction, il y a une nécessité d'avoir une dommage ouvrage, une assurance qui va vous permettre en cours de travaux. Donc le contrat en fait, c'est quoi? Il s'appelle comment? Qu'est-ce que je demande? Construction de maison individuelle classique. Et ça doit être marqué contrat de construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans suivant la loi de 90. Donc après, ça roule tout seul. Et une fois qu'on a ça, on vérifie les assurances, donc la dommage ouvrage, la garantie de livraison. Et puis après, celui qui va gérer le chantier va aussi vérifier les assurances des entreprises intervenantes. Allez, merci Sylvain. Puisqu'elles sont sous-traitantes. Attention, Charlotte voudrait parler. Dans la construction, c'est assez rare. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui font appel à des maîtres d'œuvre qui proposent des prestations quasi similaires à celles des architectes. Sauf que je vous rappelle que pour être maître d'œuvre, il n'y a besoin d'aucun diplôme. Donc moi, demain, je peux m'installer comme maître d'œuvre. Alors que pour les architectes, évidemment, il y a un diplôme que Sylvain connaît bien. Et l'Ordre des architectes référence tous les architectes diplômés en France. Vous n'avez plus le droit de ne plus vérifier. Vous vérifiez tout, même si c'est un architecte. Regardez, elle est rentrée, Kachenidze, dans une grande concession Peugeot en me disant mais c'est le Graal. Eh ben non, on vérifie tout, absolument tout. On lui a pas donné la carte grise et maintenant elle est bien embêtée. Merci pour cette première info. Je rappelle que nous attendons des nouvelles de Philippe. Est-ce que ça a bougé juste très rapidement? Vous me dites oui ou vous me dites non sur le téléphone. On peut rien attendre avant midi, Céline? Non, ça n'a pas bougé malheureusement. Je suis en lien par texto avec le gérant de l'entreprise, mais il m'a dit laissez-moi encore du temps pour regarder le dossier. Enfin, là, je suis Céline, en réunion. Vous savez charmer un homme. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous n'avez pas pu obtenir un petit délai Bah, c'est-à-dire que par texto, qu'est-ce que je fais? J'envoie des photos. Si une fois on arrivait là, l'auditeur et le téléspectateur est roi, Céline. D'ailleurs, je vous propose qu'on les prenne ensemble tout de suite. Ah mais dis donc, je vais vous dire, vous allez vite prendre le dessus sur Bernard et Hervé, parce que malheureusement, quand ils envoient des photos, les résultats ne sont pas probants. Mais... Ils cherchent les pattes à chaque fois. Ils pensent que c'est les pattes des tilleuls quand Bernard envoie qui envoient une publicité. Bon, alors, en avance, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour notre ami Philippe, parce que votre fils, il n'a pas trop fait la gueule pour son anniversaire, parce qu'il attendait le téléphone. Le souci, c'est que tous les jours, quand on rentrait de l'école, il me dit bah, qu'est-ce qu'on est du téléphone. Ah, c'est terrible. Jusqu'à 6 semaines qu'il y a un moment bah, quand l'examen B ils m'ont dit bah, on va vous rembourser, on va plus vous renvoyer un téléphone. Bah, de ce fait là bah, je savais que j'allais être remboursé au bout de leur dire. Donc j'ai commandé un téléphone sur une autre plateforme. Et vous l'avez eu là pour le coup? Ah oui, là je l'ai eu. Et il y a toujours l'autre. Dans un emballage qui devrait prendre exemple parce que là, inviolable. Bon. Allez, oui, parce que le premier emballage n'était pas terrible. On avance là-dessus, il faut avoir du nouveau. Vous suivez, ça peut vous arriver. Dans quelques instants, Blanche, vous allez pousser un petit coup de gueule. Voyage, c'est pas tout de suite, mais ce sera quoi la thématique? Eh bien, c'est réservation sur des plateformes, Julien, pour les vacances. Pourquoi vous prenez cette voix de Minitel Rose? Je sais pas. Normalement. Je sais pas, on parle de photos. Voilà, Et vous, Bernard, vous compléterez ce qu'a dit Blanche?
Ah ben, je n'ai pas le choix, a priori. Hein, parce bon, que donc, okay. Peut-être qu'elle ne connaît pas bien le dossier, je ne sais pas. Non, je rappelle que nous referons le clip de Michael Jackson pour ceux qui ont connu Thriller. Ça avait révolutionné, parce qu'à l'époque, les clips étaient c'était toujours un peu ringard. Et Michael Jackson, je ne sais pas si vous vous souvenez, est arrivé avec le clip de Thriller. Ça devenait du cinéma. Je crois que la version fait 20 minutes, la version longue, hein, où on voit des zombies sortir des tombes qui s'ouvrent. Et je me suis dit, mais non, d'un chien, ça a été tourné chez Michel. Regardez, je vous assure, il peut sortir de là, voilà. Mais non, mais franchement. Faites bien le zombie, en tout cas. J'ai fait la Academy School of Zombies en France. Ça m'a coûté 10 000 euros, mais le résultat est là. Bon, alors, on va essayer de voir. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait ça et qui aujourd'hui devrait se confondre en excuses, dire monsieur, je vous mets des carreaux en or pour que vous ne montriez pas ça à la télé. Eh ben non, il ne donne aucune nouvelle. C'est complètement fou. On va s'en occuper dans quelques instants. Là, on continue les news. Julien Courbet. RTL. Mesdames et messieurs, nous sommes au cœur de l'actualité dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Avec tout de suite un coup de gueule qui est poussé par Blanche de Grandvilliers qui sera épaulé par Bernard Sabat. Nous allons avoir quelqu'un en ligne. Alors tout de suite, un coup de gueule. Mais quelle mouche vous a piqué Blanche de Grandvilliers ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une mésaventure qui m'est arrivée récemment. Ah. Donc, vous réservez via un site, alors on va le nommer, hein, il s'appelle Abritel. Et donc, vous êtes content, vous préparez vos vacances, vous prenez vos billets d'avion. Vous deviez aller où, sans indiscrétion ? Si c'est indiscret, vous ne me le dites pas. Oui, c'est indiscret. Très bien. Il habite toujours là-bas, alors. Ok ? Non, c'est les îles Canaries. D'accord. Voilà. Et beaucoup de gens vont aux Canaries. C'est des vacances pas chères. Hein, exactement, c'est vacances pas chères. Donc, vous réservez tout. Et puis là, à peu près 15 jours après, on vous dit, ah bah, finalement, l'hôte, donc le propriétaire, a annulé la réservation. Et donc, vous vous retrouvez, comme on dit, le bec dans l'eau. Combien de temps avant ? Alors là, ça va, on est encore 15 jours, 3 semaines avant. Mais il peut, en fait, ce qui se passe sur ce site, c'est que l'hôte peut annuler la réservation jusqu'au dernier moment. Et le site ne fait, entre guillemets, rien. C'est-à-dire qu'il aide, il vous aide à retrouver une location. Mais vous vous doutez bien que plus vous êtes proche du départ, plus ça va être compliqué de retrouver une réservation, évidemment. C'est fou. Et il ne prévoit aucune pénalité. Et mais est-ce que vous avez la raison ? On annule pourquoi ? Alors, non. Alors, bon, ils vous racontent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez vérifier quand ils sont en Espagne ? Qu'est-ce que vous voulez vérifier la raison ? Mais de toute façon, ils vous disent que c'est une raison valable. Alors là, c'est parce que, soi-disant, le bien était en vente. Ils avaient oublié. Celui qui a posté l'annonce avait oublié de l'enlever. Enfin, bon, bref, ils n'ont pas oublié de percevoir quand même notre argent. Mais on peut comparer avec les deux autres sites de réservation de ce genre, c'est-à-dire Airbnb et Booking, qui ont une politique totalement différente. Airbnb, si vous annulez, eh bien vous pouvez payer entre 10 à 50% du montant de la location, donc c'est très bien, vous êtes indemnisé. Et pour Booking, si vous annulez, eh bien Booking retrouve une location au locataire qui malheureusement se retrouve sans rien, mais s'il y a une différence de prix, eh bien c'est l'hôte qui l'a. Alors, on a déjà, première chose qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille, c'est que quand on va aux Canaries, on a de fortes chances de se retrouver le bec dans l'eau. Avec mes excuses. Nous avons, je crois, quelqu'un en ligne. De qui s'agit-il, Sad, s'il vous plaît ? Nous avons Florence, justement, une cliente qui a été lésée et qui n'est pas contente. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, en deux mots, sans trop rentrer dans les détails, s'il vous plaît ? Merci d'être avec nous, Florence. Oui, alors, c'est en 2021, en plein mois d'août, on avait loué pour ma famille une maison en Espagne. Et trois jours avant, on a reçu un message informant que le propriétaire annulait la réservation et fou, donc ça. Que la réservation n'était plus disponible. Alors, ça coupe un peu. Je ne sais pas si vous avez un kit main libre, peut-être, ou un haut-parleur. Et là, vous m'entendez. Non, là, c'est encore pire. Je ne sais pas sur quoi vous avez appuyé. Je préfère avoir. Vous avez un kit main libre ou un haut-parleur ? Vous m'entendez, Florence ? Et là, vous m'entendez ? Ah, là, beaucoup mieux. Non, alors juste. Alors, déjà, planté trois jours avant. Et encore une fois, là où je rejoins Blanche Grandvilliers, c'est on se moque du remboursement, bien sûr qu'on le veut. Mais les vacances sont gâchées. Les vacances, c'est quelque chose qu'on attend pendant un an. Tout le monde est là. Vous imaginez la frustration. D'ailleurs, on pourra parler de préjudice. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous à Britel, Florence ? Alors, à Britel, ils nous ont proposé trois autres locations, oui. Mais qui ne correspondaient pas du tout à nos critères. Et donc, en plein mois d'août, pour six, retrouver une maison, c'est un peu compliqué. Et du coup, on s'est on a abandonné l'Espagne et on est allé dans le sud de la France. Oui, Florence, je vous écoute. Oui, par un autre organisme. Ben voilà. Alors, Airbnb. Alors, justement, il y en a trois organismes et nous, on voudrait pousser un coup de gueule. C'est vous, Bernard, concernant celui-là. Alors, oui, attends, le coup de gueule, mon petit Bernardo. Pascal Bruitel, je vous en prie.
Mais à Britel, on les a appelés. Quand on a un problème Airbnb, ils règlent. Alors, c'est pas rapide, mais ils règlent. Mais c'est vrai qu'à Britel, on n'a jamais réussi. On va dire les choses comme elles sont. Hein. Non, on n'a jamais réussi. C'est des gens qui ne sont pas en face de leurs responsabilités, qui ont été rachetés par Homeway, qui Homeway a été racheté par Expedia. C'est un grand groupe. Et il n'y a pas de service après-vente à la hauteur. Si vous regardez sur les forums, on a beaucoup de critiques. Mais ce qui est inadmissible, mettez-vous à la place d'un consommateur, on l'a évoqué avec Florence, de 3000 euros, elle a payé 6000 euros sur notre plateforme. Ça veut dire qu'elle a été remboursée par Britel de 3000 euros. Mais elle a payé 3000 euros de plus à quelques jours du départ pour passer ses vacances. C'est inadmissible. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est Airbnb pour ne parler que d'eux, Julien. Si toutefois vous faites la même chose, le propriétaire qu'on appelle l'hôte est pénalisé. On lui enlève une étoile et en plus on lui fait payer la différence. C'est lui qui prend en charge cette différence-là. Donc vous voyez que la sanction est forte. Là, je ne vous parle que de statistiques, Charlotte, qui concernent l'émission. Ce n'est pas des statistiques françaises. Mais je vous assure que des cas comme ça, Airbnb, etc., on n'en a pas eu. On a eu d'autres choses. La maison n'était pas en bon état, mais des trucs annulés à la dernière minute. À Britel, on en a eu et on n'arrive jamais à les joindre, on est d'accord. Hein. Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est vrai que Airbnb, pour le coup, répond à chaque fois. Eh oui, et c'est espagnol, Britel ? Non, Britel est une marque française qui a été rachetée par un groupe américain. Ah, c'était espagnol. Donc ça, c'est d'accord. Important. Non, pas du tout. Et rappelez-vous, et je pense que Maître Blanche de Grandvilliers pourrait vous dire qu'il y a une procédure en cours où ils ont perdu un procès dernièrement à Britel. Ah, tout à fait. En février 2023, ils ont été condamnés par le tribunal parce que des gens s'étaient fait arnaquer via le site à Britel. Donc à Britel se défendait en disant qu'ils n'avaient pas utilisé la procédure sécurisée. Et néanmoins, le tribunal les a quand même condamnés à indemniser. Je précise quand même, Julien, et ça c'est important, vous réservez par Britel, vous prenez vos billets d'avion séparément. Si l'hôte, au dernier moment, ou même 15 jours avant, annule, vous vous retrouvez avec des billets. Vos billets d'avion, bien sûr. Vous ne savez pas quoi faire. Voilà, vous le savez. Maintenant, si vous voulez témoigner, il vous est arrivé la même chose. Là, les vacances vont arriver. C'est tout de suite. Hein, de votre lieu de vacances, vous laissez un message sur le 3210, vous envoyez un mail. Ça peut vous arriver @m6.fr et vous serez les premiers servis au mois de janvier lorsque nous reviendrons. Mais c'est vrai que ce genre de choses n'arrive pas avec Airbnb. D'ailleurs, rendons-leur hommage en leur chanson. Ah oui. Chantons la chanson. Vous la connaissez, la chanson d'Airbnb? Ma chère Kajeni J, non? Non, c'est quoi? Patrick Bruel, enfin! Airbnb! Ah oui! Airbnb! Airbnb! Non, ça vous dit rien? Vous n'avez pas dû parler de ça dans la chanson, peut-être? Mais je connais Airbnb et la chanson, mais les associés, non? Eh bien, vous allez voir qu'ici, l'association est rapide. Tout de suite. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Les news de Ça peut vous arriver, nous sommes dans l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Merci à Johan Rivaland, journaliste à 76 Actu, qui nous a aidé à monter ce dossier. Nous sommes avec Jessica. Jessica est notre envoyée spéciale. Je rappelle que Jessica Bisson exige, lorsqu'on la nomme, que l'on fasse à chaque fois. Jessica Bisson. Elle est là, Jessica. Donc Jessica, vous n'êtes pas seule, ce n'est pas une réunion Tupperware, vous êtes avec des victimes qui sont autour de vous. Je vous vois sur mon écran de contrôle, je le dis pour ceux qui sont en train de conduire. Jessica, toutes ces personnes ont un point commun, donc je vous laisse nous expliquer quel est ce point commun rapidement et nous présenter celles qui sont autour de vous avec leurs différents préjudices. Oui, bonjour Julien. Alors leur point commun, c'est qu'elles ont toutes sollicité une prestation musicale avec un DJ qui n'est jamais venu. Céline, à côté de moi, a, elle, payé 200 euros d'acompte, évidemment pour une prestation qui n'a pas été faite, l'acompte non remboursé. Il y a Lucie qui a payé 270 euros, Aurélie qui a payé, elle, 220 euros et Magali qui a payé 200 euros. Alors, personne n'a été remboursé de l'acompte. Très bien, commençons par la dame qui est à côté de vous, que je salue. Donc je salue toutes les quatre victimes. Comment on le trouve, ce DJ? Comment ça se passe au départ? Racontez-nous, madame, s'il vous plaît. Bonjour Julien. Donc on le trouve sur Facebook Market. Il fait des articles de partout, donc il nous donne confiance. Et quand on le contacte, tout va bien. Il est souriant, aimable, enfin il est avenant. Et une fois qu'on a payé, on n'a plus de nouvelles de ce DJ. Et quand vous le relancez, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que, alors, à combien de temps avant le mariage? Parce que je suppose que la tension doit monter. Combien de temps avant vous le relancez? Qu'est-ce qu'il vous dit dans ces cas-là? Alors moi, c'était pour les 18 ans de ma fille l'année prochaine. C'est soit des anniversaires ou des mariages. Et pour les 18 ans de ma fille, je le contacte, tout va bien. À chaque fois, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a payé, on n'avait pas de nouvelles jusqu'à temps qu'on lance des actions au niveau des journaux avec 76 Actu et tout. Sinon, il fait le mort.
Mais est-ce que, au moment où ça vous arrivait, mesdames, vous n'aviez pas déjà des commentaires qui apparaissaient sur les réseaux sociaux? Parce qu'il avait déjà peut-être dû en planter une ou deux. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, Jessica, vous me dites? Alors moi, je peux vous dire pas du tout. C'est, il a même fait un article dans le journal d'Elbeuf fin août où il se dit patron de 37 employés. Donc nous, ça nous donne confiance. On pense que le journaliste a bien fait son travail, a fouillé et tout. Et arrivé là, ça nous a dupé aussi. Et voilà quoi. Et on l'a retrouvé parce que en cherchant sur Facebook, il y a des amis aussi, il y a d'autres personnes qui étaient victimes. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Mais depuis, on n'a pas du tout de nouvelles. Alors, merci une nouvelle fois à Johan Rivalan, un journaliste à 76 Actu qui a beaucoup enquêté. Donc là, c'est pour l'anniversaire de votre fille. Peut-être que Jessica, vous pouvez tendre le micro parce que c'est pas que c'est plus grave, mais pour un mariage, je suppose que ça a d'autres conséquences à une future mariée. Oui, alors pour votre mariage, je vais vous expliquer. Alors moi, mon mariage, c'est pas tout de suite, mais j'ai eu la chance d'être alertée en avance grâce à Facebook pour pouvoir prendre les devants et trouver un nouveau DJ. Mais du coup, la compte a été donnée quand même. Et du coup, j'ai le temps de retrouver un autre DJ d'ici l'événement, mais c'est quand même toujours décevant, quoi. Alors Jessica, cette dame, ne m'entend pas, répétez ma question. Est-ce que quand elle l'appelle maintenant, là, hier, avant-hier, etc., qu'est-ce qui se passe exactement? Elle tombe sur quoi? Quand vous l'appelez, sur quoi tombez-vous? Vous avez une messagerie? Vous avez quoi comme... Non, on n'avait pas de nouvelles. Il répondait pas ni aux SMS ni aux appels. Et puis il s'est réveillé là récemment de par les plaintes et de par les articles des journaux. Très bien. Jessica, les deux autres personnes peuvent peut-être en deux mots nous dire ce qui leur arrive, s'il vous plaît. Vous pouvez leur demander. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer votre cas? Donc, moi, j'avais pris le DJ pour mon anniversaire, pour fêter mes 50 ans le 18 novembre. Et j'ai appris le mercredi juste avant que la société est fermée et que j'aurai personne le jour de mon anniversaire. Très bien. Et la personne qui était à côté de vous? Sinon, entre-temps, j'ai eu jamais de nouvelles de lui. OK. Alors, pour ma part, c'était pour le 25 novembre, pour mes 40 ans et les 18 ans de ma fille. Et j'ai appris le 17 novembre via une publication Facebook, en fait, qu'il n'existait plus et qu'il faisait plus ses prestations. Bon, alors, incroyable, vous voyez, parce que là, on peut parler d'un préjudice. On est les premiers à dire dans cette émission, attention à ne pas demander des préjudices. Je vais redonner cet exemple. Un jour, on a une personne qui vient nous dire, j'ai été dans une pompe à essence, j'ai mis ma carte bancaire, elle a été avalée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Deux heures après, on me l'a rendu. Bon, on vous a débité de l'argent? Non. Mais j'estime qu'il y a un préjudice. On explique à la personne, madame, il n'y a pas de préjudice, ça peut arriver. Mais là, avant juste un anniversaire, avant un mariage, il y a un vrai préjudice, maître Blanc. Oui, il y a un vrai préjudice. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le préjudice moral. C'est pas celui qui est le mieux indemnisé. La difficulté de cette personne, c'est qu'il indique que sa société est fermée. Donc, si elle est fermée, on ne sait pas si elle est fermée parce qu'il y a une liquidation judiciaire. Donc, ce qui expliquerait qu'il ne puisse pas rembourser les gens. Parce que d'un côté, il nous dit qu'elle est fermée, mais il n'y a pas de liquidation judiciaire. Et de l'autre côté, il continuerait de prendre des acomptes, donc de faire de nouvelles victimes. S'il doit se mettre sous protection de la loi, c'est une protection de la loi en liquidation judiciaire, effectivement, il n'a plus le droit de payer personne, mais il n'a plus le droit de faire de nouvelles prestations. Voilà. Là, il ne peut pas dire j'étais mal organisé. Quand il y a déjà 4 victimes, si je continue à prendre, c'est que là, je suis en train de franchir la ligne blanche et je tombe dans l'abus de confiance ou l'escroquerie. Un mot avec vous, Charlotte. Alors, il a répondu visiblement à Johan Rivalan, le journaliste de 76 Actu, en expliquant qu'il avait été complètement dépassé par les événements, qu'à cause d'un problème personnel, une déception amoureuse, semble-t-il. Ouais. Il a tout lâché, il est parti en Espagne et visiblement il a dilapidé les acomptes. Ce qui semble très surprenant et ce qui contraste avec ce qu'avait écrit quelques mois avant le site internet de 76 Actu, c'est qu'il prétendait avoir 37 employés au mois d'août 2023, avoir une énorme entreprise d'événementiel, alors que là, en fait... 37 pour une entreprise événementielle, c'est une énorme entreprise d'événementiel. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est un entrepreneur individuel, qu'il travaillait visiblement avec son compagnon, qu'il n'avait pas le permis de conduire. À mon avis, c'était probablement un affabulateur. Encore une fois, je demande toujours à Charlotte de faire des petites enquêtes et nous vous implorons de les faire. Et si vous faites une petite enquête sur ce monsieur, vous apercevez qu'il a une adresse d'un siège aux Champs-Élysées. Va falloir casquer. Mais qui peut se payer une adresse aux Champs-Élysées? Vous avez Vuitton, Hermès, Gucci et encore
d'accord, ça doit être compliqué de payer les loyers, c'est hors de prix. Et vous croyez qu'une petite entreprise événementielle peut se trouver 78 avenue des Champs-Élysées? Ça, ça fait partie du faisceau d'indices. Alors, nous, ce monsieur, voilà, on a parlé de lui, il a le droit de nous donner sa version des faits. Vous essayez, je crois, de l'appeler là-bas. Salle des appels qui est avec nous, attention, qui s'en est occupé? Oui, c'est alors, moi. Alors, pouvez-vous me dire où on en est, s'il vous plaît, avec ce DJ? Alors écoutez, j'ai un numéro de téléphone pour essayer de joindre ce DJ. Malheureusement, ça sonne dans le vide. On a également le numéro de téléphone de sa maman, ça sonne occupé. Et son ex-compagnon également, on n'arrive à joindre personne pour l'instant. Alors ces dames ne se font qu'une illusion car Jessica, je crois qu'il a appelé l'une de ces dames hier. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement, Jessica ? Eh bien, c'est ça. Il a appelé hier Céline avec un nouveau numéro, un numéro qu'elle ne connaissait pas habituellement. Et il a expliqué qu'il comptait se mettre en liquidation judiciaire et qu'il n'avait aucune intention de les rembourser. En tout, il y a quand même 8 personnes qui ont porté plainte. Alors, le fait qu'il se mette en liquidation, est-ce que ça enlève le côté pénal, Blanche Grandvilliers? Non, pas du tout. Le fait qu'il se mette en liquidation, ça veut dire que l'entreprise ne pourra pas rembourser, puisqu'il y a un arrêt des remboursements. En revanche, Julien, ça veut dire qu'il ne prendra pas de nouvelles personnes, donc il cesse définitivement son activité, ce qui n'était pas le cas parce que visiblement il continuait de faire son activité, mais via le mandataire il y a peut-être une possibilité de prendre des sanctions commerciales et peut-être en allant déposer plainte, si effectivement il a fait croire qu'il avait 37 salariés. Alors, on va, comme il est DJ, je ne sais pas s'il marche mon micro, l'interpeller pour qu'il nous donne sa version des faits. Voilà, ces dames ont donné la leur, il a tout à fait le droit lui-même de donner la sienne. Donc de qui s'agit-il exactement? Il s'appelle Alexis Escargueil. Alexis Escargueil, DJ Passion 76. Il se trouve 52 rue du Mont-Gargan, c'est à Rouen. Alors, il y a une autre adresse, 40 route de Saint-Jean à Lehoulme, 76 770. Et évidemment, la boîte postale, 78 avenue des Champs-Élysées. Donc, monsieur Alexis Escargueil, voilà, aujourd'hui, ces dames ont été plantées. Vous avez soi-disant eu une peine de cœur. Alors, on a tous eu des peines de cœur dans notre vie. Est-ce que pour autant, Sylvain Baron, vous êtes parti en Espagne dilapider l'argent lorsque vous avez une peine de cœur? Dieu merci, vous avez retrouvé l'amour, puisque votre compagne est, je crois, avec nous aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et pour revenir, je pense qu'il a fait une partie de sa prestation, le gars, puisqu'il a joué du pipeau, non? Ah, écoutez, magnifique. Bravo, madame. Je m'adresse à l'épouse de Sylvain Baron, qui, dans un coin du studio, vous avez vraiment trouvé l'homme idéal, ingénieur, humoriste. Bon, en tout cas, mesdames, on l'appelle. Je veux que ce monsieur donne sa version des faits, qu'il nous explique ce qui va se passer. Mais voilà, sachez que quand vous passez par DJ Alexis Escargueil, DJ Passion 76, vous risquez de vous retrouver avec du vent. Dès qu'on a du nouveau, Jessica, si on en a d'ici la fin de l'émission, parce qu'on essaie de le joindre, je vous rappelle avec ces dames, je vous laisse papoter entre vous, nous enchaînons sur nos autres dossiers. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, nous allons retrouver monsieur Pascal Normand maintenant par cette histoire qui est hallucinante. Alors, on a un public jeune le matin comme ça sur M6 qui sont fans de foot. Et Pascal Normand, vous vous trouvez donc, je crois, du côté de la Beaujoire, le temple du FC Nantes, et vous avez découvert quelque chose d'incroyable. Dites-nous. Oui, eh bien en fait, c'est l'histoire d'un jeune joueur. Ils sont nombreux à vouloir embrasser la carrière de footballeur professionnel. Et évidemment, certaines personnes mal intentionnées en profitent pour les escroquer, les arnaquer. C'est arrivé du côté de la Jonelière, effectivement, Julien, la semaine dernière, avec un jeune joueur qui pensait posséder le précieux sésame, ce courrier qui vous invite à venir faire un stage de détection, un essai. Donc, il a reçu ce courrier du FC Nantes, pensait-il. Il a payé 400 euros dans un premier temps. Derrière, il a repayé l'avion parce qu'il était en Italie, 1200 euros pour venir ici à la Jonelière, pensant qu'il allait pouvoir faire cet essai, c'était la semaine passée. Et là, quand il est arrivé à la Jonelière, au centre de formation, eh bien, on lui a dit tout simplement de rentrer chez lui parce qu'il s'était fait arnaquer. C'était un faux courrier. Mathieu Bidot, bonjour, vous êtes le responsable du recrutement au centre de formation du FC Nantes. Racontez-nous, c'est vous qui avez accueilli ce jeune? Eh ben écoutez, oui, c'était jeudi dernier, j'étais ici même en train de regarder une séance quand ma collègue de l'accueil m'a passé un coup de fil en me disant « Mathieu, il y a le joueur que tu as convoqué qui est bien arrivé ». Je lui ai dit « Écoute Karine, j'ai convoqué personne ». Donc j'ai été voir ce jeune homme qui m'a montré donc un courrier en tête du FC Nantes signé de mon directeur. Et je me suis très rapidement rendu compte que c'était un faux, d'autant plus que c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, Pascal, voilà, ça arrive à de nombreux joueurs, évidemment. Rappelez, c'est que la détection, c'est pour gagner sa vie.
Donc on ne paie pas, au contraire, on espère être repéré pour être payé, pour que le club se dise on te veut, etc. Donc jamais, jamais de donner un centime pour la détection. Il ne faut pas confondre avec les stages de vacances qu'organisent les clubs de foot, où là on paie comme une colonie de vacances. Mais la détection, on est bien d'accord, c'est complètement gratuit. Hein. Ce monsieur nous le confirme. Exactement. Aujourd'hui, les clubs professionnels ont des cellules de recrutement qui ont des recruteurs qui sont disséminés un petit peu sur toute la France. Et quand on décide de voir un garçon en stage chez nous, forcément, on prend tout en charge, le transport, l'hébergement, etc., etc. Donc oui, c'est important de dire aux jeunes et à leurs familles, parce que forcément, le rêve de devenir footballeur pro un petit jour, un jour fait vraiment rêver les mômes, que voilà, ils n'auront rien à payer. C'est une certitude. Et que si on leur demande de verser de l'argent, il ne faut surtout pas le faire. Bon, comment va se terminer le championnat? Là, pour terminer, 10e, le FC Nantes, c'est plutôt pas mal, là. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, l'idée, c'est de terminer du mieux possible. On est toujours mieux que les Girondins, donc oui, on espère merci. Terminer le plus haut possible. Vous savez que, le tacle. Il a bien raison. Moi, j'allais voir les stades quand c'était à Marcel Saupin, et je crois que vous avez gardé la façade de Marcel Saupin. J'avais été voir notamment ce match où Alain Giresse s'était mis dans les buts parce qu'ils avaient, je crois, protesté contre une injustice de l'arbitre, et on avait perdu d'ailleurs 6-0. Mais Marcel Saupin, il y a encore la façade là-bas qui est classée, j'ai l'impression. Alors, il y a plus que la façade. Aujourd'hui, le FC Nantes est un très grand club et donc nos jeunes de U19, équipe réserve et la D2 chez les filles jouent au stade Marcel Saupin qui a été refait entièrement avec une très belle tribune, oui, qu'ils ont gardée comme à l'ancienne. Bon, eh ben écoutez, dans 5-6 ans en Ligue 1 pour un petit affrontement entre Bordeaux et Nantes, je préfère pas m'avancer sur une date trop précise. Sincèrement, je vous le souhaite. Merci, je vous le souhaite. C'est gentil. Merci Pascal, merci beaucoup. Donc, voyez, ce qui est dingue dans cette émission, c'est qu'on s'aperçoit que l'arnaque, elle est absolument partout. Même maintenant, les détections de clubs de foot et les jeunes, ils sont forts les arnaqueurs, ils savent que les jeunes ont tellement envie qu'ils sont prêts à proposer de l'argent. Merci Pascal Normand et merci à Mathieu Bidot et à nos amis du FC Nantes qui nous ont fait la gentillesse et l'amitié de nous éclairer là-dessus afin de ne pas se faire avoir. Allez, on continue avec d'autres affaires, mesdames et messieurs. Julien Courbet sur RTL. Blanche, il est grand temps de s'occuper de Michel. Ah bah avec plaisir, Michel. Hein. D'ailleurs, on commençait à me préparer Thriller hein, de Michael Jackson, parce que les carreaux, c'est un peu ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, Michel, il arrive de Verrier-du-Lac, en Haute-Savoie. Que se passe-t-il là-bas, s'il vous plaît, Céline? Un fabricant de cosmétiques vient d'être condamné à 60 000 euros d'amende et 6 mois de prison avec sursis pour son gérant pour avoir utilisé un produit qui était interdit dans l'un de ses cosmétiques. Donc c'était un produit en nettoyant pour le visage. Et à l'intérieur de celui-ci, eh bien, cette entreprise a utilisé un conservateur qui n'était pas autorisé sur le marché. Donc prudence. Et pour autant, cette entreprise a fait appel de sa condamnation. Alors Michel est un ancien chef cuisinier. Vous étiez dans un restaurant? Oui. Ben oui, c'est sûr qu'il n'allait pas me dire dans une cordonnerie d'un autre côté, mais bon, je l'ai tenté quand même. Et alors, racontez-moi un petit peu, vous avez été à haut niveau dans la cuisine? Ben, j'ai eu pendant plus de 40 ans 2 étoiles Michelin, oui. 2 étoiles Michelin, ouais. Et c'était vous le cuisinier? Ouais, ouais. Super, comment s'appelait le restaurant? Maison Rostand. La Maison Rostand, wow. Et maintenant, toujours, d'ailleurs. Vous le faites un peu chez vous pour vous quand même? Non, mais j'ai encore gardé une ou deux restaurants à Paris encore. Ah, il y a encore deux, ouais. D'accord, très bien. Ben, bravo, vous voyez, il y a des gens qui réussissent. Mes enfants et mes filles s'occupent. Voilà. Ben, ils ont bien raison. Alors Michel, on me dit, notre réalisateur, que Verrier-du-Lac est une ville magnifique. Il m'a dit, c'est à côté du lac, c'est une vraie beauté, c'est vrai? Exactement, au bord du lac d'Annecy, oui. C'est là où était votre restaurant? Non, j'étais à Paris, moi. Ah, vous étiez à Paris. Décidément, c'est quand même un petit peu radio-télé à peu près aujourd'hui. On va dire les choses comme elles sont. Mais d'un autre côté, il n'est pas là pour ça. Il est là car il a le carrelage. Alors déjà, vous avez fait appel, vous le connaissiez l'artisan, vous l'avez trouvé où? Il a fait quelques travaux pour moi déjà. D'accord. Le carrelage, sans problème. Et là, il vient, et c'est la cata. Alors, décrivez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des images, qu'ils peuvent voir d'ailleurs sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, l'état de ce carrelage. Eh bien, donc, après le devis, l'acceptation, donc... Allons sur la description. Il traîne un peu à faire les travaux. Bon, il fait des travaux, et trois semaines, un mois après, les carreaux commencent à... À se soulever. À s'ouvrir, les joints sautent, enfin, voilà. C'est, alors,
Sylvain Baron, vous avez jeté un coup d'œil, c'est une cata. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que ce monsieur n'a pas su faire? Parce que là, vraiment, il faut tout refaire, il faut tout casser. Julien, en fait, au regard des DTU actuels, pour faire de ce type d'ouvrage, l'entreprise n'a rien respecté du tout. Elle a posé en vrac un carrelage avec une étanchéité. Mmh. Or, on n'aurait jamais dû faire ça. On n'aurait jamais dû faire ça parce qu'il a créé ce qu'on appelle les zones de rétention d'eau auprès des appuis de fenêtres, enfin des seuils, des portes-fenêtres. Mmh. Et cette eau rentre à l'intérieur, puis avec le temps, soulève les carreaux. C'est ce qu'il y a de plus. C'est une catastrophe au niveau des travaux. Juste, Charlotte, quelques petits détails. Aujourd'hui, ce monsieur donne des nouvelles, pas de nouvelles, où en est-on ? Visiblement, il a fait une déclaration de sinistre à son assurance décennale, mais ce qui est surprenant, c'est que cette assurance n'a pas envoyé d'expert. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est bien assuré pour le carrelage ? En tout cas, sur son cabis, il se présente comme menuisier. Exactement. Et à côté de ça, sachez qu'on le trouve sur Internet en tant que praticien en ventouse, praticien en massage bien-être, nutrithérapeute et kinésiologue. Oui, mais... alors là, il est sidéré. Mais d'où l'intérêt, mesdames et messieurs, vous avez la chance d'être de la génération Internet. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas faire ça. Maintenant, on peut. Vous allez vous taper, comme l'a fait Charlotte, ça lui a pris 5 minutes. Oui. Vous tapez le nom de ce monsieur sur un société.com ou sur... sur Google. Hein. Sur Google. Oui. Et vous vous apercevez qu'en fait, il est spécialiste quoi, des massages. Oui, d'ailleurs, il utilise le même numéro de téléphone, des ventouses. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas appelé pour avoir une petite ventouse ? Non. Bien sûr, pas d'histoire. Et kinésiologue, je ne sais même pas ce que c'est. Non, mais c'est un truc de dingue. En tout cas, il ne se démonte pas, contrairement à ses pierres et ses carreaux, puisqu'il accuse la qualité des matériaux. Il a dit, non, ce n'est pas de ma faute, c'est les matériaux. Alors, ok, mais il fait un procès à celui qui lui a vendu les matériaux. En attendant, nous, on a un rapport d'expertise qui dit que la qualité des matériaux n'est absolument pas en cause. En revanche, c'est un défaut de mise en œuvre, donc c'est entièrement sa responsabilité. Et donc aujourd'hui, plus de son, plus d'image, plus rien du tout. Non. Parfait. Bah, écoutez, on y va, on appelle. Attention, mesdames et messieurs, la salle des négociations. J'ai l'impression, avec Pouchol, que c'est vous qui allez hériter de ce dossier. Oui, absolument. Ça sonne. Nous sommes donc chez ce monsieur dont on va donner le nom dans une seconde, afin qu'il nous donne sa version des faits. Nous écoutons notre chef cuisinier. Nous devons écouter celui-ci. Il est à Annecy. Hein ? Oui. Et il s'appelle Yussel. C'est son prénom. Ergun ou Ergun ? Vous diriez plutôt Ergun ? Ergun, je pense. Ergun, Yussel Ergun, c'est son nom. Prénom, nom, Yussel Ergun. Entreprise, Yvcel. YVCEL, à Annecy, avenue du Rhône. Bon, essayons de savoir, mais encore une fois, jetez un petit coup d'œil, s'il vous plaît, sur le Facebook, la page peut vous arriver. Comment peut-on laisser un client comme ça ? C'est pas possible, les carreaux se soulèvent complètement. Encore une fois, on a l'impression que c'est Michael Jackson et lui le nargue parce qu'il ne fait rien de là où il est. C'est lui, l'artisan. On avait envie de le replacer, le thriller. Autre chose, Charlotte ? Non. Bon, écoutez, non. C'est... Dites-moi, alors, il y a toujours un 2 étoiles à Paris ? Oui. Parce que Ketchininje me disait, tiens, si on récupère ma Peugeot, j'irais bien me faire un petit 2 étoiles. Il s'appelle comment, vous dites ? Maison Rostand. La Maison Rostand à Paris, c'est à quel endroit ? Dans le 17e. Voilà, un plat, entrée, dessert, 15 euros tout compris. Hein. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce que je pensais. Et vous prenez les tickets, je suppose, tout ça. Eh ben voilà, Kinidice, qu'est-ce que vous en pensez ? En plus, elle aime bien manger. Hein. J'adore ça. Eh ben voilà. J'adore ça, dit-elle, en regardant l'heure, en se disant, c'est bientôt fini, vos bêtises. On aille à la cantine de M6 qui, je dois le dire, est plutôt bonne. Mais ne pourrait pas être comparé avec le 2 étoiles du Rostand de monsieur. Ah, okay. Il y a les choses comme moi, je préfère aller à la maison Rostand. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on avance. On fait un petit round-up, comme l'on dit pompeusement, si vous le voulez bien, sur tous les cas qui sont en cours. Nous avons démarré avec le cas Céline de Philippe. Il achète un téléphone reconditionné, seconde main, chez Examobil. Il reçoit un colis vide. Où en sommes-nous ? Nous aurons des nouvelles dans quelques instants de Amine Ben Abdallah, qui est le gérant de cette entreprise. On s'est engagé à se recontacter en fin de matinée. On y arrive, laissez-moi encore quelques minutes et je reviens. Ça sera avec plaisir. Ketchininje, c'est le cas que nous attendions. Nous passons notre temps à dire acheter dans des grandes concessions, vous n'aurez pas de soucis. Ça n'a pas été son cas. Elle attend toujours la carte grise, ça va faire quasiment un an, voire un petit peu plus. Et aujourd'hui, il y a un blocage, visiblement parce que le véhicule a été accidenté. A-t-il été bien réparé ? C'est la question. Je suis sûr que ça va s'arranger, il le faut. Sinon, ça veut dire qu'on ne peut même plus avoir confiance dans les grandes concessions, en tout cas sur cette marque-là. Nous avons appelé d'abord Peugeot Rick Vert, mais également le siège, s'il vous plaît, Bernard Sabat. Mais on n'a pas eu besoin d'appeler le siège, Julien, parce que donc, M. Paul Rick Vert vient de me rappeler il y a exactement 5 minutes. Ah. Et il m'a dit la chose suivante. Mon
commercial a fait une erreur. Il s'appelait Julien. Donc je vais assumer cette erreur-là, que Madame Gomis vienne me rappeler vienne me ramener ce véhicule. Alors excusez-moi, donc, parce que je dois vous décrire la scène. Kachenidze a le visage qui se plie de tous les côtés, car elle essaie de comprendre et de s'accrocher à ce que dit Bernard. Et vous ne la voyez pas, mais d'abord elle ferme un œil. C'est quoi ? Elle essaie de s'accrocher, donc je vais essayer de demander à Bernard, coupons tout, il ne faut plus de musique, il ne faut plus rien. C'est Bernard, vous allez parler à deux à l'heure et expliquer à Kachenidze, est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle ? Je l'espère. Allez-y. Donc, Monsieur Paul Rickwerth a pris l'engagement suivant, Kachenidze. Vous allez ramener le véhicule cette semaine et il va vous rembourser les 13 000 euros. Est-ce que vous avez bien entendu ? Oui, là, j'ai entendu. Ah, super. Voilà. Voyez, Bernard, vous pouvez faire un petit effet sur les femmes, il suffit de prendre son temps. 13 000 euros, bravo. Eh bien, voyez, je suis doublement content parce que ma copine Kachenidze va être remboursée, mais surtout parce que ça prouve que je ne dis pas que des bêtises, mais que depuis 24 ans, je vous dis, dans une grande concession Peugeot, Fiat, Citroën, etc., la chance d'avoir une arnaque est archi-minime, 3 cas en 24 ans, et quand ça arrive, tout de suite la marque dit, pas de ça chez nous, c'est la différence entre ces gens-là et les petits vendeurs. Oui. Vous êtes contente ? Oui. Ah bah voilà, et donc du coup, bah, si vous enlevez un petit peu, plus la petite ristourne qu'il va vous faire, ouais, vous pouvez aller fêter ça chez M. Rostand, café offert par la maison Rostand. En plus, on précise que ça faisait pas non plus des mois que ça durait, donc sa dernière mise en demeure datait du 17 novembre, oui, donc voilà. C'est le petit coup de pouce qui a fait que ça s'est résolu plus rapidement. Alors, on bloque toujours un petit peu pour l'instant sur Michel, parce que ça vient de démarrer, mais Michel sait que nous n'allons pas le laisser tomber, que dès demain, on va reprendre. À Verrier-du-Lac, les carreaux de sa terrasse se décollent, c'est une cata, et nous essayons de joindre Charlotte. Monsieur Youssel Ergun de la société Ifsel qui se trouve à Annecy. Ifsel Laurent ? Non, ça n'a rien à voir. C'est très drôle. Ah oui ? C'est du luxe dans le carreau. Ah, bon, y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais, d'ailleurs, Blanche de Grandvilliers a des carreaux Ifsel Oran. Ah oui, chez elle, là-bas. C'est une de Grandvilliers. C'est du marbre, bon, alors. Michel, on continue, on avance. On espère que Youssel Ergun va vite nous rappeler. Monsieur, on a vu, enfin, je veux dire, on peut aller les voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Les carreaux se décollent, c'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas laisser faire ça, enfin, je veux dire. Et si c'est les matériaux qui ne vont pas, ce n'est pas lui qui a été les acheter. C'est vous qui avez choisi le fournisseur. Même si une expertise dit que les matériaux vont très bien. Donc, soyons sérieux, s'il vous plaît, monsieur Youssel Ergun. On a une petite info, je crois, de dernière minute, Stan a donné dans les news. Oui, une info qui peut nous raconter Charlotte. C'est une vieille dame, malheureusement, de 97 ans qui s'est fait escroquer. Qu'est-ce que c'est, Charlotte ? Oui, le tribunal correctionnel de Laval a condamné à 6 mois de prison avec sursis une auxiliaire de vie de 29 ans. Cette dame avait effectivement utilisé frauduleusement en 2022 la carte bancaire d'une personne âgée de 97 ans dont elle s'occupait. Ce qu'elle avait fait, tout simplement, c'est qu'elle avait pris en photo sa carte bancaire et qu'elle l'avait ensuite utilisée en ligne, notamment sur Amazon. Elle avait acheté des maillots de bain et des produits de beauté pour un montant de 4 000 euros. Là aussi, il faudra un jour légiférer à la demande des enfants sur les cartes bancaires des personnes âgées, qui est une alerte qui arrive tout de suite à la banque. Alors, peut-être pas pour des petits montants, mais là, on a eu récemment une personne âgée, elle fait venir un dépanneur. Comme le compte est, vous savez, le débit est bloqué, il lui dit, c'est 500 euros, bim, il lui met, oh mince, ça n'a pas marché. Je restais, oh mince, ça n'a pas marché. 6 fois, il lui a fait 6 x 5, ça fait, vous rendez compte, hein, 6 x 500 euros. Qu'en est DJ, beaucoup, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ah, bah oui, bah, elle n'arrive pas à compter comme moi, 3 000 euros. Bon, en tout cas, voilà, il faut vite qu'il se passe quelque chose. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, Bernard, Hervé, Céline, quand je suis venu ce matin, je vais plutôt dans l'idée peut-être me dire, il faudrait peut-être que je renouvelle l'équipe. Je viens complètement, grâce à la matinée que vous avez passée, de changer d'avis. Bravo. Ah, merci, vous m'avez pâté. Là, vous terminez bien l'année, c'est magnifique. Donc beaucoup de cas ont été réglés. Mais il pourrait y avoir un petit rebondissement, me dit-on, dans les secondes qui arrivent. Pour quel cas ? Pour le cas du DJ. Ah, vous avez réussi à l'avoir, oh là là, il va falloir que Jessica se rebranche, alors on va voir. Je sais pas, il nous fait son mystérieux, lui qui a animé mal de soirées, hein, d'ailleurs, qui se sont terminées toutes en pugilat. C'est parti, à tout de suite. Ça peut vous arriver, Julien Courbet, à votre service. Mmh.
Merci d'avoir suivi cette émission. Les dernières secondes, écoutez, on est plutôt très heureux. On va mettre une musique de bonne nouvelle, car Kacheninje va, grâce à Peugeot, et bravo à Peugeot, Rick Vert, se faire rembourser intégralement sa voiture. Merci. Merci. Et à bientôt. Et à vous. Pour Michel, bonne nouvelle, vous avez réussi à joindre Youssel Ergun, Hervé Pouchol. Il l'appelle cet après-midi concernant les carreaux. Il va nous régler ça. Eh oui, absolument, cet après-midi. Vous me tenez au courant, Michel. Et on fêtera ça devant un poisson. Il a un restaurant de poisson dans le 17e chez Désirier. Il paraît que c'est magnifique. Philippe, on savait qu'il fallait attendre midi, un petit peu plus. Début d'après-midi, nous a dit ce monsieur. Et je compte sur vous, Céline, et sur vos charmes pour que ce remboursement ait lieu. Ou en tout cas, le remboursement du téléphone. Oui. D'accord ? Avec plaisir. Bon, bah, écoutez, c'est super. Il y a juste les deux personnes de Saint-Omer qui ont eu des problèmes avec les inondations. Nous attendrons du nouveau, Bernard. Oui, moi j'aurai du nouveau et ça avance bien parce que donc en tout cas il y a des enveloppes qui sont prévues pour cette dame-là, pour Carole. De votre côté, Hervé Pouchol, la deuxième personne. Écoutez, ça avance, on aura du nouveau d'ici 48 heures. Alors le DJ, en un mot, vous avez du nouveau, dites-nous. Très rapidement, j'ai eu un contact avec lui. Il n'a plus de matériel et il ne travaille plus. Il est en liquidation judiciaire. Donc ça veut dire que la seule chose maintenant pour faire bouger les choses, puisque ce monsieur a tout fermé, c'est le pénal. C'est le pénal ou éventuellement des sanctions commerciales à travers le mandataire liquidateur avec lequel il faut se mettre en rapport. Bon, alors après, mesdames, si vous le souhaitez, pour 50 euros et un repas chaud, je peux venir faire une petite animation chez vous pour compenser. Voilà, ça ne sera pas aussi bien, mais... Pas de problème. Ça vous intéresse ? Ah ben d'accord. Merci, Jessica. Merci à toutes. Bonne journée sur M6 et bonne fête à tous. Game over.